Hey, salut tout le monde! Et bienvenue dans cette nouvelle émission de Hit My Click, une émission dédiée au hack and slash et au rétro gaming en général. Ah, comment allez-vous aujourd'hui? Parce que moi, je vous avoue que après le stream de la semaine dernière, ça a été un petit peu compliqué. Alors, je vais vous raconter quand même un petit peu la semaine dernière, si vous n'étiez pas là, vous avez manqué un stream, ma foi, de. Comment dire, de très. Très mauvaise qualité. Étant donné que j'ai voulu découvrir Incredible Adventure Van Helsing en hardcore et en difficulté maximum. C'était globalement une assez mauvaise idée. Parce que il faut croire que les programmeurs ont pris un malin plaisir à bourrer au maximum les stats de tous les monstres en difficulté maximum. Donc du coup, ça a été un petit peu abrupt, vous voyez, comme découverte. Et je me suis fait basiquement atomiser, hein, globalement. Donc on reprendra un autre jour. Incredible Adventure of Van Helsing, peut-être pas en héroïque hardcore, hein, mais on y reviendra en mode un petit peu plus relax, quitte à refaire un challenge un peu plus tard, une fois que j'aurai le jeu un petit peu plus entre les mains. Toujours est-il que, grosse semaine les gens, pour les hack and slash. Il s'avère que les trois gros hack and slash du marché ont une ou plusieurs mises à jour importantes qui sont arrivées. Donc on va les passer en revue, hein, tout simplement. Pendant ce temps, je vais juste me dégourdir les doigts, tuer quelques monstres, tranquille. On va commencer d'abord par Pass of Exile, étant donné que c'est lui qui a eu en premier sa mise à jour. Vous n'êtes pas sans ignorer que Pass of Exile est un excellent action RPG free to play, donc qui est maintenant accessible sur Steam par exemple, qui était autrefois accessible via son site internet et un client standalone. Et la deuxième grosse mise à jour, extension entre guillemets, de Pass of Exile est arrivée la semaine dernière. Qui rajoute tout un tas de nouveaux challenges, etc. Des nouvelles capacités, évidemment. Une refonte de l'arbre de compétences absolument démesuré. Qui reste quand même un des plus gros attraits de Pass of Exile. Donc, grosse mise à jour. Hein. Pas mal de gens qui se sont remis au jeu grâce à cette mise à jour. Avec de nouvelles ligues qui ont été lancées. Donc, ce sont des ladders avec des règles spéciales. Qui ont été développés uniquement pour mettre en avant ces nouvelles mises à jour, etc. Donc, énormément de nouveaux contenus sur Pass of Exile. Et c'est important parce que Pass of Exile, c'est déjà un jeu qui demandait avant pas mal d'investissements. Et c'est vrai que avant, il y avait des mises à jour quasiment toutes les semaines. C'était des grosses mises à jour à chaque fois. Le jeu était vraiment en train de se chercher. Là, ils se sont beaucoup plus limités au niveau des mises à jour depuis l'arrivée sur Steam en fait. Et maintenant, ils font plutôt des gros patchs qui vont totalement modifier le jeu, et ensuite des petits patchs annexes d'équilibrage, de résolution de bugs, etc. Donc c'est un petit peu plus facile de se remettre maintenant dans Pass of Exile, étant donné qu'il y a quand même moins de choses à engranger toutes les semaines, vous voyez? Si on arrête le jeu pendant genre un mois, on n'est pas totalement perdu. Alors que si on s'arrêtait genre fin 2012 ou mi-2013 à Pass of Exile, si vous vous arrêtiez de jouer pendant un mois et demi, vous comprenez plus rien au jeu, quoi, c'est terminé. Donc là, vraiment, très bon moment pour se remettre à Pass of Exile, hein, si vous connaissez le jeu. Donc ça c'est la première info. Deuxième info, Diablo 3. Eh oui, Diablo 3. C'est triste à dire, mais Diablo 3 essaye de sauver les meubles. Donc Diablo 3, bon, je ne vais pas refaire encore la discussion infinie de est-ce que c'est un bon jeu, est-ce que c'est pas un bon jeu. Je resterai sur le fait que ça aurait peut-être dû être mieux.
Mais ils essaient de faire quand même des efforts. Et il s'avère que les nouvelles ligues, enfin les nouveaux ladders de Diablo 3 sont lancés. Ça y est. Le premier ladder de Diablo 3 est enfin lancé avec la version 2.1. Donc encore une fois, tout un tas de nouvelles zones, enfin pas de nouvelles zones à explorer, mais des nouveaux rifts à enchaîner avec toujours une difficulté supérieure. Et donc un ladder qui se base sur le rift maximum que vous avez atteint avec votre personnage et qui donc classe les persos soit en solo, soit par équipe en fonction du niveau qu'ils ont atteint. Donc, ma foi, une relecture intéressante de Diablo 3. On est loin de ce qu'était le ladder de Diablo 2. Étant donné que le ladder de Diablo 2, je le rappelle, à l'époque, c'était uniquement une course en fait à celui qui allait arriver au niveau maximum le plus vite. Sachant que Diablo 3 a pris pour base de rendre le leveling, en tout cas l'arrivée au niveau maximum, totalement caduque. C'est vrai que du coup on pouvait pas avoir de vrai ladder comme sur Diablo 2 parce que ça n'aurait eu absolument aucun sens. Et du coup ils ont créé ce nouveau système de rift qui s'enchaîne, toujours plus difficile, et donc qui vont avoir un hard cap entre guillemets, donc qui vont forcer les joueurs à un moment à ne plus pouvoir avancer, faute de temps parce que c'est timé, évidemment. Soit faute de puissance parce que bah, les rifts sont de plus en plus difficiles. Donc voilà, deux grosses mises à jour hein, sur les deux leaders entre guillemets du marché des hack and slash en ce moment. Ensuite, Marvel Heroes. Marvel Heroes qui fait son trou, hein, ma foi, dans les hack and slash, qui est un jeu qui est sorti il y a quand même pas mal de temps. Quasiment 1 an et 3 mois maintenant. Et qui avait eu extrêmement mauvaise presse au début, parce que c'est vrai que c'était un jeu qui était extrêmement mal optimisé, et très très moyen, voire mauvais sur pas mal de points, notamment sur les drops qui étaient absolument pourris, parce que avec beaucoup de persos, c'était très difficile de dropper des objets qui étaient destinés aux persos qu'on avait choisi. Donc, et Marvel Heroes, depuis ce temps-là, essaie de rattraper le coup en fait, essaie d'améliorer son produit. C'est vrai qu'ils sont arrivés maintenant à quelque chose de tout à fait potable et de tout à fait dans la moyenne de ce qui est fait dans les hack and slash aujourd'hui. Et c'est aussi un free to play. Donc pourquoi je vous parle de Marvel Heroes là tout de suite? La semaine prochaine, dans Marvel Heroes, il y a deux petits événements qui vont arriver. Le premier, c'est le rework de Jean Grey. Donc Jean Grey, hein, évidemment, Marvel Girl hein, aussi, la première incarnation de Phoenix, enfin on la connaît sous tout un tas de noms. Il s'avère que Jean Grey, c'était un des persos de base qu'on pouvait jouer dans Marvel Heroes, dès la sortie. Et il s'avère que le jeu, comme je vous l'ai dit, est extrêmement différent maintenant par rapport à la sortie. Et c'est vrai que Jean Grey n'a pas suivi en fait l'évolution du jeu comme il devrait, et donc elle était vraiment en retrait par rapport aux nouveaux persos qui sont sortis plus récemment. Et du coup là les développeurs en fait ont fait une review, ils ont remis Jean Grey à niveau de ce qu'est le jeu maintenant. Donc en fait on va découvrir une toute nouvelle Jean Grey la semaine prochaine qui va être cette fois compétitive, et donc il y a pas mal de gens qui attendent cette review avec impatience, étant donné que c'est quand même un des personnages emblématiques de l'univers Marvel et des X-Men en général. Donc pas mal de gens hein, qui attendent ça. L'autre grosse news qui va arriver pendant le même patch, d'ailleurs, c'est l'arrivée de Malicia ou de Rogue en version originale. Donc Rogue, évidemment, hein, bien connu comme perso des X-Men, pas des X-Men, hein, enfin elle fait un petit peu sa petite vie. Et qui a pour capacité en fait de voler les pouvoirs, même la force des autres personnes, qu'ils soient mutants ou pas d'ailleurs. Et donc on a ce nouveau perso qui arrive la semaine prochaine sur Marvel Heroes. Et ils ont basiquement créé un perso qu'on va pouvoir développer à la carte. Entendez par là, elle va pouvoir voler à la fois des capacités aux autres joueurs, donc aux autres personnages du jeu, mais aussi à tous les ennemis présents dans le jeu. Donc en fait, on va avoir
des dizaines et des dizaines de nouvelles capacités à explorer sur ce personnage. Donc à mon avis, hein, du gros potentiel sur ce perso, du gros potentiel de prise de tête aussi, hein, parce que pour trouver les bonnes synergies entre les capacités, ça va demander à mon avis pas mal de temps, même si je vous avoue que beaucoup de gens attendent ce perso. Donc il y a à mon avis pas mal de trucs qui vont être découverts, qui vont se faire découvrir assez vite dans les premiers temps, mais ça peut être un perso qui va nous tenir en intéressé pendant pas mal de temps, à mon avis, avec les possibilités qu'elle offre. Donc voilà, dans ces trois plus ou moins gros jeux du hack and slash, des grosses mises à jour. Et donc, perdu au milieu de ça, eh bien, je vous représente encore une fois Grim Dawn devant vos yeux ébahis. Vous avez vu, hein, 10 minutes d'introduction pour commencer à parler du jeu, hein, c'est quand même pas mal. Et donc, il s'avère que Grim Dawn, si vous n'avez pas vu les précédentes émissions, c'est le nouveau jeu des développeurs de Titan Quest. Titan Quest, qui était un des concurrents sérieux de Diablo 2 à l'époque. Hein. Et donc, le lead designer ainsi que plusieurs autres personnes qui avaient travaillé sur le jeu ont repris les rênes du moteur de Titan Quest et nous ont pondu Grim Dawn, qui est donc un jeu en early access, donc qui est toujours en développement. Et il s'avère... Ah, salut Poppy, salut Charnt, salut à tous, hein, évidemment, tous ceux que je n'ai pas... à tous ceux que je n'ai pas... que je n'ai pas dit bonjour, qui sont arrivés entre-temps, salut à vous. Content de vous voir ou de vous revoir. Et donc, vu qu'il est toujours en développement, ça faisait quand même à peu près 2 mois et demi qu'on avait le même... On avait le même build sur Grim Dawn. Et donc, on a enfin eu, la semaine dernière, le nouveau build de Grim Dawn. Donc, tout un tas de mises à jour, tout un tas d'équilibrages, des nouveaux monstres, des nouvelles capacités, des nouveaux objets. Alors, malheureusement, celui qu'on vient de dropper, c'est un objet qui était déjà connu. Mais pas mal de choses à découvrir ou à redécouvrir. Et donc, il s'avère que... avant mon aventure, disons, capricieuse sur Van Helsing, j'avais fait un stream où j'avais présenté ce personnage-là. Ce personnage que vous voyez à l'écran, qui est un assassin, en gros, qui est le Nightblade, qui est la dernière classe qui a été intégrée au jeu. Et, basiquement, c'est quand même considéré de loin comme étant le perso le plus surcracouze du jeu actuellement. Donc on s'attendait à avoir un gros nerf hammer sur ce perso. Et donc la raison de ce stream, entre autres, c'est de voir si le Nightblade, donc le perso que je joue actuellement, est toujours le top tier absolu de ce jeu là Donc si vous pensiez que je me baladais dans les zones précédentes, c'est absolument normal, hein, je suis niveau maximum, donc je suis niveau 35. Les ennemis que je combats sont en général niveau 11 ou 12. Donc globalement, il était évident que je détruisais absolument tout le contenu jusqu'ici. Sauf que je me suis dirigé de façon nonchalante vers cette zone. Et il s'avère que dans cette zone, vous avez une des parties de endgame de ce jeu. Parce que même s'il est toujours en développement, les développeurs nous ont quand même donné du endgame à se mettre sous la dent. Donc ce sont basiquement des zones qui vont échelonner le niveau des monstres au-dessus de votre niveau maximum. Vous voyez, là je suis 35, je peux pas monter au-dessus, c'est pas possible. Et donc du coup, là, les ennemis, comme vous le voyez, je combats des ennemis 39, 40, voire 41. Je crois même qu'il y a plus dans cette zone. Et donc c'est ce qu'on peut considérer une zone de endgame. Donc on va voir comment je m'en sors dans cette zone après tous les nerfs. Donc on va déjà jouer un petit peu, hein, tranquille, détruire quelques packs de mobs, etc. Ensuite on ira passer en revue les différents nerfs qui ont été appliqués au Nightblade. Qu'est-ce que ça a changé par rapport au gameplay? Qu'est-ce qui a pas changé? Et donc est-ce que le perso est toujours valable? Donc globalement, hein, vous le voyez, niveau DPS, on est toujours extrêmement correct. Hein, on arrive toujours à détruire les vagues de monstres très 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 vite. Et cela,
Malgré le fait qu'on a quand même pris quasiment 50% de damage reduce, hein. On a 50% de dégâts en moins par rapport au build précédent. Mais il s'avère que en fait, ils ont modifié le calcul des dégâts. Et surtout l'affichage des dégâts. Donc en fait, les 50% de dégâts qu'on voit en moins sur notre fiche de perso, en fait, c'est pas vraiment 50% de diminution de dégâts. C'est beaucoup moins que ça. Donc globalement, on va arrêter. Je vais arrêter de faire semblant de vous de découvrir le truc, mais non. Le Nightblade est toujours un perso très 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 fort. Mais quand même, le perso est un petit peu moins no-brain qu'avant. Notamment avec la modification de sa capacité ultime, qui est la capacité qui s'appelle Assassinate, me semble-t-il, ou Eviscerate. On ira voir ça après. Et en fait, ils ont modifié un petit peu le comportement de cette capacité qui fait qu'elle est un petit peu moins surcraquée qu'avant. Donc si vous avez loupé le stream sur le build d'avant, si j'arrivais à sortir cette capacité pendant un combat, ça one-shottait le boss. Hein. Globalement, il n'y avait pas trop de mind game à ce niveau-là. C'est-à-dire que tu le sors, le mec en face, il est décédé. Voilà. Ça résumait assez bien la question. Donc là, vous voyez quand même, le boss a duré un petit peu plus de temps quand même. Donc, voyons comment elle s'appelle cette capacité. Hein. Exécution, voilà. Oh, j'étais pas loin, j'étais pas loin. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Donc ouais, donc pas mal de modifications au niveau du Nightblade, mais heureusement, ils ont réussi à ne pas totalement détruire le personnage. Parce que franchement, c'était totalement possible. C'était totalement possible de rendre le Nightblade absolument non viable. Notamment par exemple en changeant les calculs de vol de vie, par exemple. Parce que le Nightblade, c'est un perso qui attaque extrêmement vite, extrêmement fort. Donc du coup, et vu qu'il est un petit peu en mousse au niveau de l'armure, etc., c'est plutôt un perso qui va tenir avec le life leash, vous voyez? Donc il va voler des dégâts, enfin qui va voler de la vie lorsqu'il attaque. C'est un peu le principe de ce personnage-là. Et en fait, ils ont réussi à garder un potentiel au personnage en ne touchant pas trop à sa capacité à résister aux dégâts. Et ça, c'était pas gagné d'avance. Hein. C'était vraiment, vraiment pas gagné d'avance. Donc, à mon avis, ils ont quand même bien testé le truc pour histoire de pas rendre le perso totalement pourri. Le problème, c'est que j'ai quand même testé pas mal les autres builds aussi que j'avais, mes autres persos en fait que j'avais montés dans Grim Dawn. Et c'est vrai que eux sont quand même toujours très très faibles, hein, par rapport à ce que peut donner un Nightblade en endgame. Donc c'est un peu hein, une mise à jour avec le cul entre deux chaises, vous voyez. Le perso le plus fort a été quand même bien ramené sur Terre au niveau de la puissance, etc. Mais ça veut pas dire non plus que les autres persos sont plus puissants. C'est un peu dommage. À mon avis, ça aurait été intéressant pas de mettre tout le monde au niveau du Nightblade. De chacun doit avoir ses propres points forts, etc. Mais le problème, c'est que le Nightblade, il est tellement au-dessus. Enfin, c'est son gameplay, sa capacité à maintenir des dégâts élevés et à se tenir en vie est tellement élevée par rapport aux autres persos qu'à mon avis, ça aurait été intéressant de faire une refonte un petit peu plus en profondeur des autres personnages, histoire de leur donner un petit peu plus d'outils. Parce que c'est vrai que par rapport au Nightblade, actuellement, les autres persos font quand même toujours un peu pâle figure. Et ça c'est quand même un petit peu dommage. Donc histoire quand même de tester sur d'autres personnages, j'avais créé d'autres persos, hein. On avait commencé une découverte avec un perso que j'avais jamais joué avant sur Gaming Live. Donc on va pas rester pendant tout ce stream sur le Nightblade. Là je teste un petit peu le Nightblade dans les runs que je fais d'habitude moi en endgame. Et ensuite on ira jouer un autre perso. Pour voir un petit peu si ça a changé foncièrement le gameplay, ce nouveau build. Donc autre chose,
que j'ai pas encore mentionné, que j'ai pas encore essayé d'ailleurs, c'est l'ajout enfin du multijoueur. Et oui. Parce qu'il s'avère que jusqu'au build 19, donc le build qu'on avait déjà depuis la fin du mois de juin, Grim Dawn était un jeu 100% solo. Enfin, le multijoueur est arrivé. Donc pour le moment, comme je vous dis, j'ai pas eu l'occasion de tester. Surtout que de ce que j'ai compris, il y a encore quelques petits problèmes au niveau de la gestion d'inventaire et du coffre partagé notamment dans le multijoueur. Donc j'ai pas encore fait de backup de mes sauvegardes. Donc avant de me lancer dans le multijoueur, je pense que je vais la jouer safe et me foutre un petit peu me foutre des sauvegardes de côté histoire de pas perdre des trucs par exemple, de pas me retrouver avec des coffres vides ou des trucs comme ça parce que c'est quelque chose qui peut toujours arriver, surtout quand le jeu est toujours en développement et donc toujours en alpha, même pas en bêta, étant donné que le jeu n'a même pas son contenu total. Donc ouais, donc le multijoueur, hein, par exemple si vous voulez commencer par deux persos sur Grim Dawn maintenant, jouer entre potes, vous pouvez, et ça peut être un très très bon moment à mon avis, de commencer Grim Dawn. Étant donné que vous allez pouvoir commencer à jouer avec des amis à vous, ce qui est quand même un des intérêts principaux du hack and slash, parce que c'est vrai que moi je suis plutôt un joueur solo, mais depuis toujours, les hack and slash ont proposé et même encouragé pour certains de jouer à plusieurs, de jouer en groupe. Donc maintenant c'est possible hein, dans Grim Dawn, et ça c'est quelque chose qui était demandé à corps et à cri par la communauté depuis déjà très longtemps. Et enfin, cette mise à jour est arrivée et nous a donné le multijoueur. Donc comme je vous dis, moi je suis plutôt un perso du solo self-drop. J'aime bien découvrir les hack and slash dans mon coin et jouer vraiment de la façon dont je l'entends moi. Mais j'estime aussi que le multijoueur est une partie extrêmement importante. Donc à mon avis, c'est très très bien qu'ils aient réussi enfin à sortir un multijoueur. Alors je pourrais donc pas vous dire s'il est stable, s'il y a du rubber banding, etc. Ce sera à vous de le tester par vous-même, hein, tout simplement. Mais sachez que enfin, voilà, sur Grim Dawn, vous pouvez jouer ensemble par équipe. Et donc ça, c'est quand même bien bien sympathique. Voilà. L'autre chose que je vous ai pas montré, je vous le montrerai quand on reviendra sur le menu de lancement du jeu. Mais ils ont rajouté une feature qui est pour le moment pas activée mais qui est dans les menus, hein, donc probablement arrivée dans un nouveau build un peu plus tard. Et c'est quelque chose qui pour le coup me tient vraiment très très à cœur. C'est l'ajout des mods. C'est l'ajout la possibilité d'avoir des parties. Comment ils ont appelé ça? Je sais plus comment, hein, quel nom ils y ont donné, mais en tout cas, on dirait qu'on va pouvoir avoir des maps craftées, enfin des maps spéciales. Donc du coup, ça veut dire des mods dans Grim Dawn. Et ça, c'est super intéressant pour moi. Parce que je suis toujours un joueur qui, quand j'aime un jeu, j'aime trouver de nouvelles façons de jouer à ce jeu. C'est quelque chose qui me tient à cœur depuis pas mal de temps. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'avais commencé au début cette émission sur Gaming Live, pour vous présenter des mods. Et il s'avère que j'ai présenté par exemple des mods de Diablo 2 sur cette chaîne. Et je trouve ça vachement bien parce que jouer à un jeu qu'on aime d'une façon autre, à mon avis, c'est vraiment bien. Parce que ça rajoute de la durée de vie potentiellement infinie si la communauté décide de faire l'effort et de proposer du nouveau contenu et de le partager. Ça, à mon avis, c'est vraiment un très 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 gros plus. C'est quelque chose qui était déjà présent d'ailleurs dans Titan Quest. Hein. Titan Quest était modable. Il y a d'ailleurs de très très gros mods qui rajoutent une grosse quantité de features au jeu de base. C'est quelque chose que j'ai pas pu essayer sur Titan Quest parce que c'est vrai que Titan Quest c'est pas un jeu sur lequel je me suis forcément plongé à part les premiers temps. Mais c'est cool.
C'est vraiment bien, à mon avis, d'avoir permis le support de mode dans ce jeu. Et j'attends vraiment, vraiment, je suis impatient de voir ce que la communauté peut nous pondre sur ce jeu-là. Ouais, donc j'attends vraiment ça. Voilà, c'est custom game, ils ont appelé ça sur le menu principal. Et voilà, franchement, je suis j'ai hâte de voir ce que ça peut donner. Ah ouais. Et donc c'est quand même impressionnant parce que les mecs, ils sont toujours en train de développer leur jeu, ils sont toujours en train de rajouter du contenu au jeu, et pourtant ils ont déjà pensé à la communauté qui va elle-même pouvoir rajouter du contenu quoi. Franchement, je trouve ça absolument génial. Je trouve ça absolument génial. Donc c'est vraiment bien. Ouais, je suis vraiment content et j'attends de voir vraiment ce que ça va donner. Wow, calmons-nous les enfants. Oui, Chomp, je te lis, tu es là. Blood of Chthon, les enfants. Ça fait deux fois d'affilée sur Gaming Live que je drop cet item au début du stream, hein, pendant mon premier run. Alors, si vous ne savez pas ce que c'est le Blood of Chthon, c'est un objet en fait qui est droppé quasiment uniquement par ce boss-là et qui vous permet en fait de crafter une clé qui vous permettra d'aller dans le vrai endgame du jeu. Donc grâce à ça, bon, on va pouvoir se crafter une clé et aller visiter le endgame dans cette partie-là. Et ça, c'est vraiment cool. Comme ça, on va pouvoir tester le perso malgré les nerfs. Est-ce qu'il est capable d'arriver à rouler sur tout le contenu? Salut la Croix. Parce que bon, hein, c'est pour ça qu'on joue à des hack and slash, hein, pour être évidemment ultra uber craqué par rapport au contenu. C'est ça, c'est pour ça, hein, c'est notre. C'est la base, je veux dire. C'est pour ça qu'on joue à des hack and slash, pour jouer des putains de dieux vivants sur la fin. Quel intérêt sinon? Miasma Rose. Tiens donc. Ça, c'est un item que je connais pas, je pense. Ça, c'est un item qui a été rajouté par la mise à jour. Alors, déjà, enlever ce truc-là. Alors, Miasmata Robe. Acid Damage, Vitality Damage, Spirit. Granted Skill Miasma. Release a cloud of toxic gases which choke and confuse your enemy. Huh. Intéressant. Et donc c'est un set dédié à l'occultiste. Très bien. Sauf que l'occultiste, je crois qu'il n'est pas dans le jeu encore. Est-ce que j'ai retesté Van Helsing? Au début j'étais sceptique, franchement en hard et hardcore avec le temps ça devient vraiment pas mal. J'ai pas retesté, j'ai pas relancé le jeu. Comme je vous dis, ça a été un petit peu charrette au niveau des hack and slash en ce moment, ces dernières semaines. Donc du coup, j'ai pas eu le temps de me replonger dans Van Helsing. Mais je l'ai dit au début, en fait, on refera un run de Van Helsing. Peut-être pas en héroïque, par contre. Peut-être pas en difficulté maximum, mais dans la difficulté d'en dessous. Histoire de découvrir le jeu. Mais je compte m'y remettre, hein. Je compte m'y remettre à un moment, ne vous inquiétez pas. C'est juste que là, pour le moment, j'ai pas forcément eu le temps de m'y replonger. Mais je pense effectivement qu'il y a du potentiel, hein, sur ce jeu. Je pense qu'il y a vraiment du potentiel. Mais je pense que je vais pas trop aimer aussi le corps à corps. Je pense pas que je vais bien aimer jouer corps à corps dans ce jeu. Donc je pense commencer en hard, en perso à distance, et voir si j'arrive à faire quelque chose de correct, et peut-être essayer de refaire le build un peu plus tard en hardcore. Ça peut être sympathique, mais je veux voir d'abord ce que le personnage a dans le ventre. Voilà. Oui, c'est moi qui ai fait le speedrun de la légende de Thor. C'est marrant, ça devient une blague récurrente, hein, le fait de. Est-ce que c'est toi qui as fait le speedrun de la légende de Thor?
D'ailleurs, si vous vous posez la question, non, je n'ai toujours pas repris le world record sur ce jeu, sur la légende de Thor. Donc ouais, il faudrait que je m'y remette, hein, mais pff. Le speedrun, je vous avoue, j'en ai un peu plein mon trône. C'est quelque chose, j'essaie de prendre mes distances un petit peu avec le speedrun, parce que pour le coup, s'il y a bien quelque chose qui va vous voler votre temps de jeu, c'est bien le speedrun. Et là, bah, je suis sur tout à fait autre chose en fait en termes de temps de jeu. Donc malheureusement, j'ai juste pas le temps de refaire du speedrun malheureusement. Donc pour le moment, pas de speedrun éventuel. Je dis pas que ce sera jamais. Je dis juste que pour le moment, d'autres priorités de jeu. Hein. Et oui, tant de jeux et si peu de temps. Vous connaissez tous la chanson. Hein. Vous connaissez tous ce problème, hein, je pense. Pas de soucis. Pas de soucis. Ok. Donc, j'ai droppé ce machin-là. On va faire une clé. Donc, pour faire une clé, j'ai besoin de ça. Lequel je vais prendre le plus pourri si possible en termes de bonus, donc c'est celui-là. Et ensuite j'ai besoin de Corpse Dust. Alors le Corpse Dust c'est ça. Ok, donc normalement ces trois objets vont me permettre de crafter une clé. Et cette clé va me permettre de rentrer dans le endgame. Alors, il est où, il est où? Il est là, Skeleton Key. Vous voyez, il faut un Blood of Kthon, donc ce machin-là qu'on a droppé sur le boss qu'on a tué juste avant. Un ectoplasme et un Corpse Dust Combine. Et voilà, Skeleton Key. Magnifique, merveilleux. Merveilleux. Donc vu que j'en ai trois dans l'inventaire, ce qui me prend de la place inutile vu que j'en ai besoin que d'une, on va garder celle-là et puis on va se diriger vers le endgame justement. Et on va tenter de faire un run. Allez, donc je me dirige vers ce truc-là. Je vais lancer la pub une fois que je serai arrivé à la zone. Comme ça, vous ne manquerez absolument rien du gameplay. Et une fois que la pub sera terminée, je commencerai à faire le run du Steps of Torment. Steps of Torment qui est le véritable endgame du jeu actuel. Donc, qui est une zone qui va scaler, donc qui va échelonner le niveau des ennemis. De 39 à 47, 46 ou 47. Sachant que je le rappelle, je suis 35. Donc, du challenge en perspective. Donc, je tue les groupes de mobs hein, pour le lulz. Étant donné que c'est toujours des possibilités de dropper des trucs corrects. Surtout que maintenant il y a des nouveaux objets. Donc. Autant tuer le maximum de monstres possible pour maximiser les possibilités de trouver ces 10 objets. Mais déjà, le Miasmata, l'armure qu'on a trouvée juste avant, que j'ai mis dans mon inventaire, enfin dans mon coffre partagé, je suis quasiment sûr que c'est un item que je connais pas. En tout cas, je l'avais jamais droppé avant. Donc peut-être que c'est un des objets qui a été rajouté dans cette mise à jour. Mais je crois qu'ils ont surtout rajouté des amulettes et des anneaux. Je crois pas que ce soit vraiment des équipements. Ou alors c'est des équipements qui ont été modifiés par rapport à avant. Vous voyez qui étaient déjà là, mais dont les bonus ne sont plus les mêmes. Alors à mon avis ça existait déjà avant, mais c'est juste qu'elle a... Je n'ai jamais réussi à la dropper quoi, tout simplement. Alors une petite chose. Si vous jouez à Grim Dawn et que vous installez cette nouvelle mise à jour... ça risque de vous faire drôle, mais le brouillard de guerre a été remis à zéro. Ce que ça veut dire, c'est que la totalité de la map maintenant est à redécouvrir. Voilà, vous voyez, maintenant il y a toutes ces zones d'ombre qui sont revenues. Donc il faudra refaire l'intégralité de la map si vous voulez vous débarrasser du Fog of War. Voilà, donc c'est un petit truc à savoir, mais ça peut vous éviter de vous arracher les cheveux à base de « Elle est où ma map ?» Bon, allez, je lance les pubs, je vous reprends dans 3 minutes, donc ne zappez pas. Allez, des bisous.
Ah, effectivement. Petit problème de microphone, j'ai dû le relancer. Pourtant, je m'étais mis en unmute. Donc désolé, ça fait 2 minutes que je parle dans le vent. Donc merci de m'avoir prévenu. Pourtant, j'ai le son sous les yeux. Hein, donc normalement, j'aurais dû le voir. Donc je suis un boulet. Donc je disais, avant que je m'aperçoive que je suis un putain de boulet de merde, hein, à base de je parle dans le vent, on va voir très vite un des nerfs, un des véritables nerfs pour le coup, qui est arrivé à ce perso. C'est avec cette capacité-là que je vous montrais, qui est Pneumatic Burst. Donc qu'est-ce que c'est que ce truc-là? C'est un buff que vous pouviez lancer environ toutes les 6 ou 7 secondes. Et qui vous donnait un burst de vitesse d'attaque et de vitesse de déplacement pendant 12 secondes, me semble-t-il. Voilà. Et l'autre truc intéressant qu'il y avait sur cette capacité, c'était que à l'activation, en fait, quand vous appuyez sur le bouton, ça vous soignait d'un certain pourcentage de votre vie. D'accord? Donc en fait, c'était une sorte de panique bouton, vous voyez? Et il s'avère qu'avec la nouvelle mise à jour, eh bien, le cooldown a été multiplié par 2. Donc on n'a plus 6 secondes de cooldown, mais 12 secondes de cooldown. Et avant, lorsqu'on mettait des points supplémentaires dans cette capacité, eh bien, le cooldown diminuait. En plus d'avoir une capacité qui était plus forte, vous réduisiez en plus le cooldown. Donc c'était absolument surcraqué hein, de mettre des points dans cette capacité parce que ça vous soignait plus, ça vous faisait un plus gros bonus et vous pouviez le lancer plus souvent. C'était tout bénef quoi, c'était tout bénef de mettre des points là-dedans. Maintenant, ils ont modifié en fait le fonctionnement de cette capacité et quand vous mettez des points dedans, ça va uniquement augmenter la puissance, enfin le bonus que vous allez gagner. Et ça va pas diminuer le cooldown. Le cooldown va rester à 12 secondes. Donc au final, on a toujours un panique bouton. On a toujours cette capacité qui nous permet de nous soigner en mode je vais mourir, au secours, faut que je regagne des points de vie. Mais on peut l'utiliser 2 fois moins souvent. Et moi, par rapport à mon build d'avant, je peux l'utiliser quasiment 3 fois moins souvent. Donc du coup, ma survie en a pris quand même un très très gros coup. Et c'est pour ça que je veux tester le perso dans les Steps of Torment pour voir si je peux toujours sustain les dégâts que les monstres peuvent m'infliger. Donc vous voyez un peu le principe, hein. Donc globalement, il y a eu quand même du nerf important. Donc. Certains diront que c'est de l'équilibrage. Moi, évidemment, je dis c'est du nerf de base, hein, parce que évidemment, c'est mon perso qui est moins fort. Donc, fuck l'équilibrage, c'est du nerf. Voilà, c'est tout. Hein, évidemment. Quand, alors, ça, c'est quelque chose d'extrêmement important qu'il faut que vous gardiez toujours à l'esprit. Quand vous jouez à un jeu qui est live-tuné au fur et à mesure du développement, c'est-à-dire où les mecs font de l'équilibrage de façon régulière. Il existe une règle immuable sur les interwebs qui dit que si c'est votre personnage qui est équilibré, c'est du nerf. Si c'est le personnage que vous ne jouez pas, qui est équilibré, c'est de l'équilibrage. Voilà. Le nerf ne va concerner que votre perso à vous. Hein, évidemment. Pas le perso des autres. Le perso des autres, on n'en a absolument rien à battre. C'est votre perso à vous. Hein, c'est une insulte personnelle. Vous devez le prendre vraiment personnellement, hein, lorsque vous voyez ce genre de truc. Et donc, crier au nerf immédiatement sur les forums. Voilà. Donc ça c'est important, hein. Ça c'est vraiment la première règle, c'est la première chose que vous devez apprendre sur les hack and slash et sur les jeux à équilibrage en général. Voilà. S'il y a de l'équilibrage, pour votre classe c'est un nerf, pour les autres c'est du vrai équilibrage. Voilà, ça c'est garanti, hein. Ça marche dans tous les cas. Ça marche dans tous les cas. Est-ce qu'il est récent? Le jeu techniquement a plus d'1 an et demi.
maintenant dans le développement, sauf que c'est pas un jeu qui a beaucoup de notoriété, étant donné que c'est toujours un jeu qui est développé. C'est-à-dire que le jeu, il n'est pas encore sorti de façon en exploitation commerciale, entre guillemets. C'est du early access, si vous voulez. Donc, même si le jeu a plus d'un an maintenant, il est fort probable que vous n'en ayez absolument jamais entendu parler. Et c'est une des raisons pour laquelle je désirais montrer ce jeu, parce que j'aime ce jeu, je le trouve vraiment bien, je trouve qu'il y a un bon potentiel, et donc ça me faisait plaisir à moi de donner un petit peu d'exposition à ce jeu par rapport au gros hack and slash du moment que sont Diablo 3 ou Path of Exile. Voilà. Donc le jeu c'est effectivement Grim Dawn, et je le répéterai toujours, mais le stream, la base, c'est la répétition, donc ça ne m'embête pas. C'est le nouveau jeu des créateurs de Titan Quest. Donc si vous connaissez les hack and slash, notamment Titan Quest, eh bien il est très probable que vous appréciez Grim Dawn à sa juste valeur, étant donné que ça reprend énormément des systèmes de jeu qui avaient été développés dans Titan Quest à l'époque. Alors, comment faire si on joue tous les persos? Ah, ça c'est encore autre chose, ça c'est le mind game au-delà. C'est celui dans lequel je vais plutôt me placer personnellement, parce que c'est vrai que j'ai essayé un peu tous les personnages du jeu. Donc, lorsque vous avez des équilibrages comme ça et que vous jouez tous les persos, là, vous devez toujours, toujours, toujours rester dans la mauvaise foi la plus absolue. C'est-à-dire que si on buff certains de vos persos, on ne les buff jamais assez. Et si on nerf donc un de vos persos, là vous pouvez crier au fun nazi. Vous voyez? Donc les développeurs, ce sont des nazis du fun, hein, ça empêche de nous amuser, tout ça. Le fun factor, machin. Donc toujours pareil. C'est encore mieux en fait de jouer tous les persos, parce que là, dans tous les cas, vous aurez la possibilité de vous plaindre sur les forums. Et ça, quand même, ça reste une des parties les plus importantes du web 2.0. C'est-à-dire qu'on a la possibilité de ne absolument jamais être content de ce que l'on nous donne. Voilà, ça c'est énorme. Non mais c'est vrai. C'est tellement vrai, et dans tous les putains de jeux, quoi. Donc voilà, c'est très important, c'est très important. Toujours, toujours garder à l'esprit que il y aura toujours matière à demander plus si vous avez eu un buff, et il y aura toujours matière à aller pleurer toutes les larmes de votre corps sur les forums si jamais il y a de l'équilibrage, qui est donc, je vous le rappelle, un nerf, hein, toujours. Simple et comme bonjour, hein. Voilà, ça c'était très important, hein. Donc ça me fait plaisir, hein, de vous apprendre comme ça des petits trucs qui vous permettront de mieux survivre dans la jungle des hack and slash, hein, sur internet. Ah là là, mais ça franchement c'est la base, hein. Ça franchement c'est vraiment un concept qu'il faut que vous intégriez le plus vite possible. Ah là là, ça fait du bien de raconter n'importe quoi un petit peu pendant son stream. Qu'est-ce que vous en pensez? Je le rappelle, hein, évidemment, à ceux qui me prenaient au sérieux juste avant, l'abus de premier degré est dangereux pour la santé, hein, les enfants. Évidemment, sachez faire la part des choses. Parce que maintenant, c'est un petit peu trop devenu premier degré, en fait, le Internet. Il n'y a plus moyen de faire du sarcasme sans être pris à la gorge direct par les gens qui prennent ça direct au premier degré, quoi. Je ne rentrerai pas dans les détails. Vous ferez votre propre idée de de quoi peut-il bien parler encore. Mais disons qu'il y a des exemples assez récents de trucs qui auraient dû être pris à la rigolade et qui ont été pris au premier degré par une certaine frange de la population. Voilà. Je vous laisserai faire votre idée, hein. Je n'irai pas plus loin dans ces discussions.
Mais voilà, mais exactement, mais voilà, mais vous avez compris, vous avez compris. Je lis sur le chat, c'est pareil sur les MMO. Mais voilà, les MMO, franchement, c'est le meilleur endroit pour faire valoir cette mauvaise foi infinie. Franchement, c'est eux qui ont lancé le concept, quoi. Enfin, je veux dire, c'était tellement garanti, quoi. À l'époque de Diablo 2. Allez, je dis à l'époque de Diablo 2, ça y est, ça fait vieux crouton, tu sais. Mais je m'en fous, j'assume. On avait un patch genre tous les 8 mois. Tous les 8 mois, tous les 1 an, voire 2 ans même parfois. Entre la 1.10 et la 1.11 de Diablo, il y a eu quasiment 1 an et demi, me semble-t-il. Ah, mais le versus fighting, non mais. Ne me lancez pas sur le versus fighting, parce que là, on en a pas assez de 3 heures, hein, les enfants. On en a pas assez de 3 heures, donc je laisse Charnt vous parler du... Hein, du versus fighting. On parle encore des féministes. Ah non, mais non. Qu'est-ce que tu vas chercher? C'est loin de moi l'idée de vouloir parler des féministes sur ce stream, hein, évidemment. Jamais. Jamais, jamais. C'était absolument pas mon propos quand je parlais de choses qui devraient être prises au deuxième degré et qui sont prises au premier degré. Absolument pas. Absolument pas. Mais je vois qu'il y en a qui se servent un petit peu de leur tête, hein, c'est bien. Bravo. Bravo, bravo. Bref, bref. Avant d'avoir un point, avant d'avoir un point Godwin des interwebs de maintenant, hein, on va se reconcentrer un tout petit peu sur le jeu. Bordel de merde. Et oui, ça aurait dû commencer à 20h, mais malheureusement, Vidéofous n'est pas en mesure, pour le moment, d'assurer son horaire. Et vu que les 2 dernières semaines, Necro avait repris le créneau 19h-20h, bah cette fois je me suis dit, allez, cette fois c'est moi qui le fais. Cette fois c'est moi qui le fais. Je prends le créneau de Vidéofous. Et je vous fais 3 heures de Grimmjown. Oh là là, mais c'était tellement gratuit comme boss. Je devais jouer à Borderlands. Mais j'ai joué à Borderlands, hein. J'ai joué à Borderlands, les enfants. J'ai fait 2 streams, même 3 streams cette semaine sur Borderlands 2. Ah, il faut nous tenir au courant, hein, les web 2.0. Hein. Eh, vous avez le Twitter en bas, hein, les enfants. Hein. Vous avez le Twitter en bas, @CanonKessen. Hein, si vous vouliez me voir jouer à Borderlands 2, bah, vous aviez l'occasion 3 fois cette semaine. Je dis ça, je dis rien, hein, donc vous pouvez vous en prendre qu'à vous. Par contre. Ça, c'est quelque chose que je voulais garder un petit peu plus pour la fin, mais il est possible. Et oui, j'ai totalement joué à Borderlands 2. Totalement joué à Borderlands 2. En mode full rage, évidemment. Mais j'ai joué à Borderlands 2. En stream caché, bah sur mon Twitch, c'est pas forcément si caché que ça. À un moment, je suis passé sur ma chaîne jeuxvideo.com, ça j'avoue. Parce que Twitch décédait, tout simplement. Twitch était dans les choux. Donc du coup, les gens n'arrivaient pas à voir le stream, etc. Même moi, j'arrivais pas à avoir un bon retour quand j'allais sur ma propre chaîne. Donc du coup, j'ai laissé tomber. Je suis allé sur ma chaîne perso Gaming Live. Mais après, j'ai restreamé la deuxième partie du Let's Play sur ma chaîne Twitch, hein, pendant la semaine. Samedi après-midi même. Samedi après-midi. Alors c'est pas franchement, je vous ai pas enculé sur l'horaire, hein, sans déconner. Samedi après-midi, je crois que c'était 15h. J'ai dû streamer de 15h à 18h, un truc comme ça. Donc franchement, niveau horaire, on a fait plus dégueulasse, hein. Je me rappelle de certains streams où je commençais à minuit, je finissais à 3h. Donc bon, niveau horaire, voilà quoi. Excusez-moi. Donc non, j'ai pas à m'excuser, hein. Si vous avez loupé le live de Borderlands 2, franchement, vous pouvez vous en prendre qu'à vous. Hein. Alors là, ça fait pas mal de temps que je vous dis que j'annonce la totalité de mes streams sur mon Twitter. Donc vous avez pas d'excuses, hein, sans déconner. Hein. Vous avez vraiment pas d'excuses. Hein. Alors est-ce qu'il y a les VOD de ces soirées? J'ai les VOD sur mon PC, je les ai pas uploadés encore. D'ailleurs, j'ai fait une demande sur mon Twitter pour savoir si je devais faire des highlights de ces soirées ou uploader la vidéo au complet. Je vous avoue que les deux me vont, même si le découpage et l'édition des highlights me fait un peu chier parce que bah sur Dailymotion il n'y a pas de. Enfin, je dois me servir de mes VOD sur mon PC et j'ai pas forcément de bons programmes pour faire de l'édition vidéo. J'ai vraiment des programmes gratuits que j'ai trouvé à la ZOB, donc du coup
J'ai pas des super outils. Et ça m'intéresse pas plus que ça aussi, je vous avoue. Donc j'uploaderai, je pense, la totalité sur mon YouTube. Ah bah, gaufrette, hein, sans déconner. Je vous demande pas de vous abonner à mon Facebook que j'ai même pas. Je veux dire, je suis pas un gros floudeur en plus de Twitter, hein, très franchement. Ça va, hein, si je vous demande de m'abonner, de vous abonner à mon Twitter, c'est pas, franchement, c'est pas un gros sacrifice que vous avez à faire. Et puis après, voilà quoi, j'annonce sur Twitter. Si vous voulez pas vous prendre la peine de vous abonner au Twitter pour avoir les mentions de stream, bah vous pouvez vous en prendre qu'à vous, hein. Je vous donne une alternative pour savoir. Vous voulez pas la prendre, bah tant pis pour vous, j'ai envie de dire. Je vais pas aller pleurer en vous envoyant un mail à chaque fois que je vais lancer un stream, hein, ça il est pas question. Hein. Donc j'annonce mes streams sur Twitter, c'est déjà suffisamment de boulot, hein, pour moi, hein, évidemment. 140 caractères, les gars. Je sais pas si vous vous rendez compte. Je sais pas si vous vous rendez compte de la difficulté que c'est pour moi que de pondre 100 putain de 40 caractères. Et c'est pas parce que c'est trop, hein. C'est parce que c'est trop peu. Bordel. Moi, à chaque fois, je suis obligé de faire des putains je suis obligé de réfléchir 3 minutes à ce que je vais mettre dedans. Parce que j'ai pas la place. Et oui. Et vu qu'en plus, je veux pas vous flouder vos listes Twitter, du coup, je me limite à un, voire deux tweets maxi. Donc non, franchement, je suis sympa avec vous. Je suis vraiment sympa avec vous. Et c'est gaufrette, juste pour te dire, tu es un de ceux qui vont créer un compte Twitter pour avoir pour être au courant de mes streams. Mais franchement, vous avez besoin que de ça, quoi. Je veux dire, pourquoi utiliser Twitter autrement que pour avoir la mention de mes streams. Alors oui, alors paraît-il qu'il y a des gens qui utilisent Twitter pour faire tourner les photos nues de Jennifer Lawrence. Oh putain, actualité! Actualité! Canon au cœur de l'actu! Bientôt dans Enquête Exclusive! Ah, vous avez vu, hein? Vous avez vu, évidemment, le Twitter cette nuit, hein, c'était Fapping Time, hein, absolument indéfendable, hein, évidemment. Les nude leaks à l'infini, tout ça, qui ont secoué les interwebs. Et vous vous rendez compte, hein, si vous avez pas eu Twitter, il est possible que vous ayez loupé cette info. Oh mon dieu! Oh mon dieu! Voilà, ne me remerciez pas. Hein. Grâce au fait que vous allez créer un compte Twitter pour suivre mes streams, vous allez avoir en plus en cadeau la possibilité de voir les photos nues de Jennifer Lawrence. C'est comme ça, c'est cadeau. Ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir, toujours pareil, il y a Canon au cœur de l'actu. Et voilà, hein, franchement, c'est de bonté d'âme, hein, que je vous fais ce cadeau. Voilà, donc n'hésitez pas, hein, n'hésitez pas à follow @CanonKessen. Par contre, il est peu probable que je retweete les images. Voilà, je vous laisse, hein, je laisse vos doigts boudiner. Faire des recherches Google, mais en tout cas, ça a été l'effervescence sur les interwebs, hein, cette nuit. Voilà, donc c'est tout chaud, hein. C'est tout chaud. Et maniez-vous le cul, au passage. Parce que y a des croisades y a des croisades sur les sites, hein, donc voilà. Je ne vous incite pas, évidemment, à vous délecter de ces trucs-là, hein, mais si ça vous intéresse, maniez-vous le train. Voilà. Juste pour info. Tout va bien. Tout va bien. On joue à Grim Dawn. Hein. On joue à Grim Dawn. Mais bon, l'actualité avant tout. L'actualité avant tout. Ah, ça connaît. Ah, je vois que ça connaît les termes à chercher sur Jougelin. Hein. Donc ne comptez pas sur moi pour le répéter en stream. Hein, parce qu'il y a la VOD, tout ça. Mais ça connaît, hein. Donc voilà, tous ceux qui écouteront un jour cette VOD plus tard, eh bien voilà, you had to be there. You had to be there, c'est comme les Evo Moments. Fallait être là. Donc pour l'instant, j'avoue, ça marche pas mal. Ça marche vraiment pas mal.
J'arrive bien à sustain, j'ai l'impression même que je fais plus de vols de vie qu'avant. C'est bizarre. C'est très bizarre parce que je me rappelais pas que j'arrivais à sustain aussi bien les... à me re-soigner aussi vite dans la précédente version. Donc peut-être qu'ils ont changé la formule de calcul de Leech Life et que maintenant elle est un petit peu plus efficace. Parce que c'est vrai qu'avant, vu les dégâts que je faisais, c'était bizarre la quantité de vie que je soignais. Mais là, visiblement, c'est vraiment très très agréable à jouer. Hein. Extrêmement agréable à jouer maintenant. On arrive à s'en sortir même après le nerf de cette capacité-là, qui était donc notre panique bouton à l'époque. Donc c'est vraiment cool, hein, franchement. C'est vraiment cool. Et surtout, ça va bénéficier tous les persos du jeu. C'est pas que le Nightblade. Bon, c'est vrai que le Nightblade, grâce à son attaque speed et à ses dégâts élevés, était le perso qui en tirait le plus parti. Mais tous les autres persos vont aussi... grandement apprécié ce, à mon avis, ces nouvelles formules de Life Leech. Hein. Ouais. Donc j'avoue, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. C'est beaucoup plus agréable hein, maintenant. Mais après, du coup, ah, c'est intéressant parce qu'en fait, le Life Leech, donc le Life Leech, hein, je le rappelle pour ceux qui ne connaîtraient pas l'expression, c'est la possibilité de voler de la vie en fonction des dommages que vous faites. Donc par exemple, si vous faites 100 dégâts et que vous avez 10% de life leech, bah vous allez voler 10 points de vie et regagner 10 points de vie. Et donc il s'avère que le life leech, c'est quand même quelque chose qui se scale assez, assez mal sur des capacités par exemple très lentes. Parce que les capacités très lentes, vous allez les lancer moins souvent, vous allez avoir des bursts plus importants de vie, donc vous allez vous soigner plus parce que vous allez faire des coups plus gros, mais vous allez vous soigner techniquement moins souvent. Donc en fait, dans un flux continu de dégâts, vous risquez en fait de mourir avant d'avoir le temps de pouvoir refaire du vol de vie. Vous voyez le problème. C'est le principe. C'est le principe du Life Leech, donc c'est pour ça que c'est vrai que le Life Leech du coup est quelque chose qui s'échelonne un peu mieux, à mon avis, sur les attaques rapides plutôt que sur les attaques lentes et fortes. Mais enfin, même un guerrier à deux mains va apprécier grandement le Life Leech. Hein, ça, il n'y a pas de souci. Hein, ça, je vous le cache pas. Donc c'est vraiment bien. C'est vraiment très très bien. C'est vraiment très bien. Ah, le vol de vie, hein, ça connaît les expressions. Non, parce que c'est vrai que depuis Diablo 3, c'est quand même un jeu qui a remis au goût du jour le Life on Hit. Le Life on Hit, c'est autre chose encore. Le Life on Hit, en fait, c'est une quantité fixe de points de vie que vous allez gagner lorsque vous allez taper un ennemi. Donc vous allez vous dire, bah, ça revient à la même chose. Non, parce que là, ça fait pas du tout référence aux dégâts que vous faites. Et le Life on Hit, résumé souvent en LOH, ne va s'échelonner que sur la vitesse d'attaque. Ce que j'entends par là, c'est que plus vous allez taper vite, plus vous allez profiter du Life on Hit. Vous voyez le principe? Donc c'est deux façons de se soigner qui sont totalement différentes et qui nécessitent de l'itémisation totalement différente entre les deux. C'est vraiment important de garder ce truc-là à l'esprit parce que c'est vraiment deux choses qui sont complémentaires et qui demandent vraiment de prendre un recul important sur ce truc-là parce que sinon, vous risquez de ne pas utiliser les capacités au maximum en fait de leur puissance. Voilà, et ça, ça peut être dommageable à certains moments. Voilà, donc le Life on Hit et le Life Leech, deux trucs différents et deux trucs complémentaires. Et là, il s'avère que dans ce jeu, pour le moment, en tout cas, on a que du life steal. On a
que des dégâts transformés en points de vie. Voilà. Qui, à mon avis, est mieux. Parce que ça permet d'échelonner en fait la viabilité de cette capacité sur plus de possibilités. Sur plus de possibilités que juste le Life on Hit, qui lui ne se scale efficacement que sur l'attaque speed. Et ça, c'est un petit peu dommage, malheureusement. Donc voilà, Diablo 3 par exemple était un jeu qui demandait en fait, dans le scaling, se passer au début de votre personnage. Vous alliez plutôt utiliser le Life on Hit. Et ensuite, quand vous aviez un stuff suffisamment élevé, que vous faisiez suffisamment de dégâts, et bien vous alliez basculer sur du lifesteal, donc du pourcentage de vie volée. Voilà, donc ça, bon, c'est des considérations qui sont des considérations de jeu avancées. Hein. La plupart des gens ne feront pas vraiment la différence parce qu'ils n'atteindront pas en fait le moment de jeu où l'un des deux va devenir plus fort par rapport à l'autre. Mais disons que si vous voulez pousser votre jeu un petit peu plus loin, ce à quoi je vous encourage à faire quand vous jouez à hack and slash, hein, toujours essayer de pousser un petit peu plus loin les limites du jeu. C'est à mon avis comme ça que les hack and slash sont intéressants. Ça peut vous aider. Hein, ça peut vous aider d'étudier ce genre de différence qu'il peut y avoir entre le Life on Hit et le Life Steal, par exemple. Voilà. Donc voilà, c'était une diatribe infinie, mais bon, pourquoi pas. Hein, je veux dire, on reste dans les grandes lignes du hack and slash. Hein, donc, ma foi, si vous pouvez apprendre des trucs en m'écoutant dire des bêtises, hein, bah ma foi, pourquoi pas. Pourquoi pas. Waouh, non, c'est bon, on est safe, c'était un petit peu showtime, mais on s'en est sorti. On était limite au Alt-F4 de je vais crever, hein, mais ça va, on s'en est sorti, hein, c'était un petit peu tendu, mais on s'en est sorti. Donc ouais, heureusement que j'ai ce perso parce que n'importe quel autre perso du jeu, je vous avoue qu'il aurait crevé à ce moment-là. Absolument sans aucun doute. Donc ouais, grosse frayeur hein, là pour le coup, grosse frayeur sur ce groupe de monstres. Mais on s'en est sorti, cool. Yay, food rations. Bon, je pense que j'ai oublié des trucs parce que là j'ai été un petit peu trop en YOLO strat et à mon avis j'ai loupé des groupes de monstres, voire des drops. Donc on va revenir tranquillement sur nos pas et visiter cette salle. Ah, vous buvez mes paroles, eh bien buvez, hein. Buvez ceci et mon sang. Ah non, on va pas commencer à citer la Bible, hein. Ah non, par pitié, tout mais pas ça. Hein. On est déjà suffisamment indéfendable. Au niveau des discussions, on va pas en plus coller de la religion là-dedans. Ah non, 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 non. Je refuse. Voilà, mais c'était tellement tendax. Oh la vache. Là, j'ai tout claqué. Hein. Les potions, le pneumatic burst pour le heal immédiat. C'était chaud. Je crois même que j'ai sur mon stuff, je crois que j'ai un autre panic bouton qui est un passif qui fait que lorsque je descends genre en dessous de 25% de points de vie, j'ai une forte régénération de vie qui se lance. Donc peut-être que c'est quelque chose qui m'a permis aussi de me maintenir en vie. Parce que ça c'est quand même une base que vous devez avoir dans les hack and slash. On n'a jamais assez de panic bouton. Voilà, on sait jamais ce que le jeu peut nous réserver à certains moments, donc mieux vaut trop de protection que pas assez. Hein. Voilà. Même si on joue un glace canon, même si on joue un perso qui est basé uniquement sur l'offensive, avoir des plans B, c'est très très important. Et ça pour tous les jeux, hein. Je veux dire, c'est pas que Grim Dawn, hein. C'est pareil dans Path of Exile, c'est pareil dans Marvel Heroes, c'est pareil dans Diablo 3. Donc ouais, ça c'est quelque chose qu'il faut jamais prendre à la légère. Parce que je peux vous garantir que
y a des comment dire? Il y a des situations dans le jeu que vous n'avez pas prévues. Voilà, ça, il faut toujours garder ça à l'esprit. Le jeu va toujours trouver un autre moyen d'essayer de vous tuer. Ça, c'est aussi une règle générale des hack and slash. Vous allez toujours tomber sur un truc ingérable. Donc, on n'est jamais trop prudent, hein, comme on dit. Donc là, encore ça va, le perso, c'est pas un perso hardcore, donc si le perso meurt, c'est pas un gros souci, mais c'est quand même dommage parce que par exemple, lorsque vous mourrez dans cette zone, vous ne pouvez plus revenir. Vous êtes obligé de claquer une nouvelle clé à chaque fois. Chaque fois que vous voulez faire un nouveau run dans cette zone, vous êtes obligé de claquer des objets rares pour pouvoir y rentrer. Donc du coup, si vous rentrez dans cette zone, bah vous êtes quand même assez content de pouvoir la faire jusqu'au bout, quoi, tout simplement. Alors, voilà. Donc voilà, je suis content. Je suis vraiment content sur le fait que les programmeurs ont baissé l'efficacité du Nightblade. Ça, c'est absolument indéniable. Ne serait-ce qu'avec le changement à Pneumatic Burst qui a totalement changé le gameplay du Nightblade par rapport au build d'avant. Ils ont pas foutu ces dégâts au ras des pâquerettes. Maintenant, à mon avis, il y a toujours du gros travail à faire sur les autres persos. Et à mon avis, c'est une des priorités qu'il faut qu'ils aient, les développeurs, parce que le Nightblade est toujours loin devant. Et j'ai peur que s'ils ne montent pas les autres persos, s'ils montent pas leur efficacité par rapport au Nightblade, j'ai peur que le Nightblade prenne des nerfs sans arrêt. Sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, des nouveaux nerfs, des nouveaux nerfs, des nouveaux nerfs. Et ça, à mon avis, c'est quelque chose qu'on peut craindre. Si jamais il passe dans l'état d'esprit de baisser les personnages plutôt que de. Enfin, baisser les personnages forts uniquement au lieu de monter correctement les persos. Les nouveaux persos. Voilà. Donc c'est à craindre. C'est à craindre. Waouh, que s'est-il passé? 2 secondes. 2 secondes. Est-ce que je suis toujours en ligne? Normalement, je suis toujours en ligne. Est-ce que vous pouvez me confirmer sur le chat que je suis toujours en ligne, étant donné que j'ai eu une déco sauvage? Mais je pense pas que le stream est coupé. Ce qui est assez bizarre d'ailleurs. Vous savez quoi? Je vais vérifier rapidement. Et ensuite, je lancerai une pub, étant donné que c'est l'heure, malheureusement. Alors, est-ce qu'on est toujours en ligne? Désolé, vous aurez de l'inception auditive, probablement, à part si j'ai mis mon truc en mute. Ok, donc non, on est toujours en ligne, donc c'est bon. Le stream n'a pas coupé, c'est vraiment ce que je voulais. Mais ouais, j'avoue que j'ai eu un peu peur parce que j'ai été à la fois déco de Steam et du channel IRC. Donc j'avoue que j'ai eu un petit coup de chaud sur le sur le coup. Mais donc du coup ça a clear mon chat. Donc itch, non, EACB, je veux bien que tu reposes ta question pour que j'essaie d'y répondre parce que du coup j'ai pas vu ta question. Tout simplement. Donc n'hésite pas à la reposer. Bon, ça par exemple, ça c'est une zone qui ne fonctionnait pas dans le build d'avant. Bon, bah visiblement elle marche pas beaucoup mieux. Normalement là il y avait un coffre. Et en fait le coffre il restait toujours fermé. Qu'est-ce que. Enfin, quoi que vous fassiez dans cette salle, même si vous tuiez tous les ennemis, etc., le coffre ne s'ouvrait jamais. Donc c'était un peu triste. Par curiosité, quel serait mon top 3 perso des hack and slash? Mon top 3 personnel des hack and slash, alors en premier à Diablo 2. De loin. Parce que c'est le jeu sur lequel j'ai passé le plus de temps.
Derrière Diablo 2, j'y mettrai Marvel Heroes, je pense. Et en 3, Path of Exile. Et pas loin derrière Path of Exile, vous avez Diablo 1 pour l'aspect nostalgique. Si vous voulez, je pourrais pas ce que vous faire un top 10, quoi, mais en restant dans les hack and slash et en top 3, ouais, c'est typiquement Diablo 2, Diablo 2, Marvel Heroes, Path of Exile dans cet ordre. Voilà. Donc j'espère que ça répond à ta question. J'espère que les fans de Titan Quest ne vont pas trop me cracher au visage. Mais c'est vrai que bon, Titan Quest, c'est un jeu que j'ai apprécié à l'époque, mais que j'irai pas forcément classer dans mes jeux préférés, même si je reconnais ses qualités, hein, évidemment. Absolument aucun souci à ce niveau-là. Mais ouais, pour moi, Marvel Heroes et Path of Exile sont quand même au-dessus. Et Diablo 2 est de toute façon au-dessus largement de tout ce qui a été fait en termes de hack and slash, donc voilà. Et donc ouais, donc d'autres personnes peuvent considérer maintenant que Path of Exile a tellement dépoussiéré le genre, tellement réinventé le genre, j'ai envie de dire, qu'il pourrait être au-dessus de Diablo 2. Je comprends. Je comprends votre point de vue, réellement. Mais pour moi, c'est vrai que ce hack and slash m'a procuré des bons moments, mais pas autant que Diablo 2. Et c'est quelque chose que moi, ça me tient particulièrement à cœur. Outre le côté technique, hein, etc., que c'est un jeu extrêmement de la vieille école, qu'il y a tout un tas de trucs qui sont pas valables et tout, c'est sur Diablo 2 que j'ai passé mes meilleurs moments de joueur de hack and slash. Et donc, juste pour ça, je suis obligé de le mettre en première place. C'est tout. Voilà, c'est tout simplement ça. J'espère que vous me comprenez, parce que c'est un... Voilà, c'est le cœur qui parle. C'est le cœur de gamer qui parle. Puis voilà, Diablo 2, même maintenant, reste un très bon jeu. Voilà. Même maintenant, ça reste un excellent jeu. Donc, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de honte à poser Diablo 2 en hack and slash préféré. Ça, on est d'accord. Ah là là. Enfin. Mais ouais, ça c'est probablement une question qui reviendra souvent. Ouais. Mon top 3 des hack and slash. Qu'est-ce que tu penses de Diablo 3? Ça aussi c'est une question qui revient relativement souvent, on va dire, hein. C'est un classique, hein. D'habitude, une fois par émission, en gros. Et quel que soit le jeu que je stream, d'ailleurs. Hein. Quel que soit le jeu que je stream, hein, que je fasse du Path of Exile, du Van Helsing, du Grim Dawn, hein, la question arrive à un moment. Hein. Et donc, évidemment, maintenant que j'ai dit ça, Incoming, le troll, mais qu'est-ce que tu penses de Diablo 3? Évidemment. Alors, voyons qui va avoir le premier. Ah là, j'attends de voir. Qui va le faire en premier? Ah, mais en plus, vous avez 20 secondes de décalage, donc ça va être la course. Putain, ça va être la course. Eh oui, il est intéressant de s'y intéresser, évidemment. Ah non, mais si on fait pas de pléonasme, le stream n'a aucun sens. Ah ça, vous me connaissez. Vous me connaissez, y a pas de souci à ce niveau-là. Putain, mais en fait, faut que je fasse vraiment attention à ces trucs-là. Qui sont des pièges, en fait. Qui se posent par terre et qui balancent des dizaines et des dizaines de petites balles d'énergie, là. Et en fait, le problème de... Ça, c'est un des problèmes qu'il y avait dans Titan Quest aussi. Et qu'il y a dans Grim Dawn de base, il y a énormément de dégâts différents. Ce que j'entends par là, c'est que une fois que j'aurai fini la zone,
Ouais, parce que fuck les pubs en fait, hein, je vais finir la zone, je mettrai les pubs après. Ça c'est fait, fuck le CPM. Dans Grim Dawn, il doit y avoir genre 10 ou 12 types de dégâts différents. Ce qui est absolument monstrueux. Et du coup, lorsque vous prenez des dégâts, bah vous savez pas en fait quel type de dégâts vous allez recevoir. Donc vous savez pas quelle est la défense que vous devez monter pour résister mieux à ces dégâts. Et ça, à mon avis, c'est un problème. C'est pas super clair. Alors, ok, les dégâts physiques, les dégâts perçants, je comprends. Les dégâts perçants, c'est basiquement les flèches. Voilà. Les dégâts de feu, c'est visuel. Les dégâts physiques, j'imagine bien que c'est quand un mec te tape dessus avec sa masse, il est très probable que ce soit des dégâts physiques. Mais après, voilà quoi, ça comme dégâts, c'est quoi ce truc-là? Ces sortes de boules d'énergie blanche. C'est de l'éther? C'est du chaos? C'est du lightning? Je sais pas. Je sais pas quelle est la résistance à monter pour résister mieux à ces dégâts-là. C'est à mon avis, c'est problématique, hein. Ça peut être problématique. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais. Hop, petite zone cachée. Petite zone cachée dans la map. Ah, pourquoi je joue à Grim Dawn? Il a pas l'air terrible. Bah si! Justement, Jean-Marc! Je joue à ce jeu parce qu'il est bien. Parce qu'il est bien, parce qu'il y a du gros potentiel dans ce jeu. Et parce que, quand même, à l'époque, j'avais apprécié Titan Quest, hein, même si je le classe pas dans mon top 3 des hack and slash. Et que Grim Dawn, eh ben, c'est Titan Quest version 2013-2014. Et donc, c'est cool. Donc, non, hein, c'est un excellent jeu. Et je peux vous dire que pour le prix que je l'ai payé, il est déjà largement rentabilisé, hein. Donc, je le rappelle, ce jeu-là, je l'ai pris pendant les soldes Steam à 7,99€. J'ai dépassé quasiment les 100 heures de jeu en comptant mes sessions en offline et connectées à Steam. Donc globalement, je trouve ça tout à fait correct, hein, pour un temps de jeu sur un hack and slash à ce prix-là, hein. Réellement. Donc non, 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 c'est un excellent jeu. Après, je peux comprendre. Parce que c'est toujours, même si c'est du troll basique sur le chat, ça soulève quand même des questions intéressantes. Même si le jeu n'a pas l'air terrible, il peut souvent y avoir une perle cachée sous des apparences pas très bien. J'ai d'ailleurs fait une émission avec mon ami Data Reaper il n'y a pas très longtemps là-dessus. Sur les jeux qui méritent d'avoir meilleure presse. Et souvent, on s'est aperçu que c'est des jeux qui sont écroulés en fait sous tout un tas de problèmes. Que ce soit visuel, technique, de gameplay, de game design, de fan service même parfois, mais qui ont des très bonnes idées pour rattraper. Et donc, c'est important en fait de s'accrocher à certains jeux pour découvrir la véritable intérêt. Donc, Grim Dawn peut paraître assez rebutant au début parce que c'est vrai que le gameplay est relativement lent. Par rapport à ne serait-ce que Marvel Heroes ou même Diablo 2, hein. Même Diablo 2 qui est un jeu, qui a un gameplay quand même relativement nerveux. Grim Dawn, comme Path of Exile d'ailleurs, est un jeu qui a un gameplay beaucoup plus posé. Mais ça ne veut pas dire que si c'est moins rapide à l'écran, c'est pas moins intense à jouer. Et ça, c'est quand même quelque chose d'important. C'est quand même quelque chose d'important. Donc, c'est pas un mauvais jeu. C'est clairement pas un mauvais jeu. Voilà, ça je peux vous le dire. Donc, merci à toi, machin truc. Même si ça pouvait ressembler à du troll, ça peut amener des discussions particulièrement intéressantes. Alors, tu poses la question de savoir qu'est-ce qu'il a de plus que les autres hack and slash. Alors, faut savoir que la totalité des hack and slash vont utiliser les mêmes recettes, entre guillemets, d'un jeu à l'autre. Les prémices d'un hack and slash, ce sera toujours de tuer des monstres
pour dropper de l'équipement, pour améliorer votre personnage, pour ensuite avancer dans le jeu et donc tuer d'autres monstres qui vont dropper d'autres loot, etc. Ça, c'est vraiment les prémices du hack and slash. Ensuite, chaque hack and slash a sa propre vision et sa propre façon de faire pour rendre le jeu intéressant. Par exemple, Grim Dawn, par rapport à beaucoup d'autres jeux, va être basé sur l'utilisation de proc. Donc les proc, hein, si vous n'êtes pas familier avec cette expression, c'est la possibilité en attaquant de lancer d'autres attaques. C'est ça qu'on appelle un proc. Et le Nightblade que je suis en train de vous présenter, que je joue depuis tout à l'heure, est typiquement un personnage dont le gameplay est basé sur le pourcentage de chances de lancer d'autres capacités, autres que l'attaque de base, parce que vous voyez là, depuis le début, je ne fais qu'utiliser l'attaque de base. C'est juste que j'ai tout un tas de possibilités, tout un tas de chances de lancer d'autres attaques. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas forcément beaucoup exploré dans d'autres hack and slash, vois-tu? Donc, si tu voulais une valeur ajoutée ou au moins quelque chose de différent dans ce jeu par rapport aux autres hack and slash, bah voilà, ça peut être une réponse à ta question. Après, ce qui est intéressant, c'est que la plupart des hack and slash ont leur propre fonctionnement de dégâts. Par exemple, le calcul des dégâts, la possibilité de stuffer son personnage en ayant une certaine vision va être différent d'un jeu à l'autre. Et du coup, là, c'est juste arriver à accrocher aux règles, entre guillemets, qui ont été édictées pour ce jeu. Donc là, je rentrerai pas dans les détails d'expliquer tous les calculs de dégâts, etc. Mais par exemple, Grim Dawn, par rapport aux autres jeux, c'est ce que je vous disais avant, c'est un jeu qui va vous coller 10 types de dégâts différents. Du piercing, bleeding, même pas plus que ça encore. Ah non, bleeding est là. Donc vous avez Fire, Cold, Lightning. Bon, Poison à la limite qui est la quatrième. Qui est la quatrième élémentaire de base. Vous avez Piercing, qui est plutôt tout ce qui est dague et arme à distance. Bleeding, donc c'est du truc qui va balancer du dot. Vitality, c'est les dégâts sur la vie du monstre. Aether, c'est encore un autre type de dégâts élémentaires. Vous avez le stun à gérer, le chaos, etc. Tout ça, par exemple, c'est un marasme incompréhensible de dégâts qui est dédié à ce jeu-là. Donc, vu que c'est une des spécificités de ce jeu-là, c'est forcément, par définition, une valeur ajoutée par rapport aux autres jeux, vu que les autres jeux fonctionnent sur d'autres types de dégâts. Donc voilà, je sais pas si j'ai été clair, parce que c'est quand même quelque chose qui est pas super intuitif à prendre en compte, mais voilà. Ça peut être une des raisons pour laquelle tu peux aimer ce jeu par rapport à un autre. Ok. Sur ces bonnes paroles, je vais lancer la pub et je vous retrouve ensuite et on va probablement jouer un autre personnage que celui-là. Allez, je vous reprends tout à l'heure.
Ok. Nous voici de retour. Et donc on va jouer un nouveau perso. Comme je le disais. Donc c'est un perso qu'on avait déjà commencé pendant un autre stream. Alors que Vidéofus n'était déjà pas là. Et donc du coup c'est pour ça qu'il s'appelle Where is Dofus? Donc oh lol Dofus, hein, bien sûr. Vous connaissez la chanson. Mais on va continuer un petit peu ce personnage qui était en phase de leveling. Hein, je venais juste de le commencer. Donc je sais même plus où j'en suis dans le scénario. Allons parler Zopézenji. Ah d'accord, je suis même pas arrivé à la première. À la première ville, j'ai pas fini le. J'ai pas fini le premier acte ni rien. Ok. Très bien. Donc, voyons un petit peu comment on avait monté ce personnage. Donc, c'était un Soldier Nightblade. Très bien. Donc, dans le perso que je jouais avant, donc je jouais ce personnage-là, le Nightblade, et j'avais monté cette capacité, là, au maximum. Et il s'avère que là, j'étais parti plutôt visiblement sur un build à deux mains. Ouais, j'étais parti sur un build à deux mains. Ok, intéressant. Et c'est pour ça, du coup, que j'ai pas mis de trucs dans Dual Wielding, de par le fait. Ok, nice. Nice. Je comprends. Je comprends ce que j'ai essayé de faire. Bon, après, j'ai pris les capacités normales du Nightblade. Ça, c'est Pneumatic Burst, c'est le truc qui vous soigne, hein, comme vous l'avez vu avant. Lethal Gambit, c'est une des capacités absolument sympathiques. Il faudra que je mette un point dans Shadow Strike. Qui peut être très utile, hein, plus j'ai le niveau suffisant. Et ça aussi, vous voyez, ça aussi, ça a un pourcentage de chance d'être utilisé lorsque j'attaque au corps à corps. Ok. Ok. Très bien. Alors, du coup. Nice. Il faut parler à Arngrim, je sais pas quoi. Ah non, voilà, c'est ça la prochaine quête qu'il faut que je fasse. Il faut que je descende dans les égouts. Ah, petite parenthèse. Petite parenthèse. Le niveau des égouts dans les jeux vidéo, c'est basiquement le niveau que vous allez retrouver dans la totalité des jeux vidéo depuis le début de l'histoire. Je suis sûr que dans Pong, il y avait un niveau caché dans les égouts. Obligé. Obligé. Mais si vous prenez les jeux à partir de l'ère, ne serait-ce que les personnel computers début des années 80, vous avez un niveau des égouts dans tous les putains de jeux vidéo du monde. Voilà, donc c'est un classique, hein. C'est un classique infini, mais c'est toujours efficace. Ça permet en plus aux programmeurs feignants de vous ressortir toujours les mêmes monstres ressucés à base d'araignées et de rats. Voilà, parce que basiquement, pour un concepteur de jeux vidéo, c'est la seule chose qu'on va trouver dans les égouts, hein. Ce à quoi je me mets en porte-à-faux, bien sûr. Étant donné que dans les égouts, on trouve aussi des tortues et des crocodiles, hein, évidemment, ainsi que des serpents qui vont remonter le long des chiottes pour aller vous mordre le cul pendant que vous êtes sur le trône. Voilà, tout simplement. Donc merci Canon, hein, évidemment, c'était absolument indispensable que je vous fasse cette diatribe absolument inutile. Mais donc, comme toutes les choses inutiles sur Internet, c'était, comme je l'ai mentionné, totalement indispensable. Et salut Hope!
Ah, Hope, hein, que j'ai. Je t'ai détesté dans FF13, hein, voilà. Des bisous à toi. Alors, je ne sais pas si tu es le vrai Hope de FF13, mais si c'est le cas, voilà, hein. Tu as. J'étais moins détesté que Vanille, mais t'étais pas loin. T'étais pas loin. Voilà. Juste pour info. Alors, heureusement que t'étais le meilleur mage du jeu, parce que sinon, ça fait longtemps que j'aurais rage quit et que j'aurais plus utilisé. Voilà. Donc, des bisous à toi. Ah, mais évidemment, cette magnifique légende urbaine des serpents des égouts qui remontent par les toilettes, quoi. Ah, du stream de bon goût ce soir, hein. Entre les leaks des photos et les. Et ces trucs-là absolument indéfendables, sans déconner, il y a du très 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 haut niveau, hein, j'avoue. Et non, je ne vais pas mourir. Enfin, si, techniquement, je vais mourir un jour, bientôt. Bientôt, probablement. Dans, j'espère, un petit peu plus de 50 ans, si possible. Mais techniquement, je vais mourir. Toi aussi, d'ailleurs. Donc, voilà. Comme on dit dans Fight Club, hein, Fight Club, excellent film à voir, à revoir à l'infini. Sur une durée suffisamment longue, l'espérance de vie tombe forcément à zéro. Et oui, c'est normal. C'est tout à fait normal. Donc c'est étrange, on dirait qu'il y a une zone cachée dans cet endroit-là. Donc à mon avis, on doit y arriver de par l'autre côté. Visiblement, je peux pas détruire ce mur-là. On va refaire le tour rapidement. Oh là là, non mais ultra décevant Fight Club, non mais. Achetez-vous une culture quoi. Achetez-vous une culture. Allez sur eBay, tapez culture hein, et prenez le moins cher quoi, parce que sinon c'est pas possible. C'est pas possible. Hein. Et ne me faites pas à base de ouais, c'est moins bien que le bouquin, etc. J'ai lu le bouquin aussi! J'ai lu le bouquin aussi et je peux vous dire que les deux ont leur mérite. Ouais, c'est ça. Dans Fight Club, il y a aussi question de. Non, alors, soyons. Alors, ça, c'est quelque chose. Hein, je vais faire mon référence nazi parce que c'est quelque chose qui me tient particulièrement à cœur. Les références dans les films, tant que je peux, j'essaie de les faire hein, au mieux. Alors, la vraie phrase dans. Enfin, la vraie phrase, telle que je me la rappelle, et je suis quasiment sûr que c'est ça dans Fight Club, c'est maintenant une question de protocole. Pour passer, je vous présente mon cul ou bien ma queue. Ça, c'est Tyler Durden hein, qui dit ça à Jack, donc le personnage principal, joué par Edward Norton. Il lui dit en lui présentant son cul, donc du coup, à ce moment-là. Et après, juste après, il doit passer derrière une hôtesse parce qu'ils sont dans un avion. Et à ce moment-là, évidemment, il lui présente bah, sa queue à l'hôtesse. Hein, en se retournant, hein, en présentant l'autre facette de sa personnalité. Mais ouais, c'est ça. Question de protocole, je vous présente mon cul ou bien ma queue. Ah, petite trivia qui sert à rien. Sur Edward Norton. Est-ce que vous saviez que c'était Edward Norton qui jouait l'empereur dans Kingdom of Heaven, celui qui a le masque de fer, qui a la peste, qui est pestiféré, je crois qu'il est pestiféré, que du coup il a un visage totalement ravagé. Bah, c'est Edward Norton qui le joue. Et je l'avais reconnu parce que j'avais. Enfin, je l'avais reconnu. Non! Disons qu'ils avaient gardé. Son doubleur en français, parce que je l'avais vu en français ce film-là au cinéma, me demandez pas pourquoi, parce qu'il ne devait pas, probablement pas y avoir de VO, mais toujours est-il qu'ils avaient gardé son doubleur, qui est aussi le doubleur de Matt Damon, au passage. Et du coup, je me suis dit, tiens, c'est la voix d'Edward Norton. Et après, quand j'ai vu le générique, ah bah ouais, bah c'était Edward Norton. Bon, on l'a jamais vu, mais, enfin, mais visiblement, c'était bien lui. Très mauvais film d'ailleurs, hein.
Très mauvais film, Kingdom of Heaven, avec Legolas dedans. Avec notre cher Legolas, que j'ai toujours pas compris pourquoi il est plus vieux dans The Hobbit que dans le Seigneur des Anneaux. Mais bon, bref, on va pas trop en parler. On va pas trop en parler. Oh là là, Orlando Bloom, hein, tu fais chier, hein, tu pourrais faire une. Tu pourrais faire une Dorian Gray, hein, sans déconner, parce que du coup, tu fous en l'air la chronologie de Tolkien, un hein, bordel de merde. Oh là là. Ouais, effectivement, hein. Je pense pas que ce soit la version en anglais que t'es donnée parce que bite en anglais, c'est pas le zizi. Y a pas l'air d'avoir de challenge. Ou alors je suis très, ou alors c'est parce que je suis très bon. Oui, c'est probablement ça, évidemment. Est-ce que je peux émettre un avis par rapport aux actions RPG du moment, Path of Exile ou D3? L'acte 3 de Grimdon est-il dispo? Merci. Alors, beaucoup de questions. Le challenge est présent dans ce jeu si vous ne jouez pas Nightblade. Si vous ne jouez pas Nightblade, vous allez vous faire chier dessus par le endgame. Parce que même si le jeu n'est pas terminé, il y a déjà du endgame. Et le endgame est très 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 difficile. C'est juste que le Nightblade est un perso qui est particulièrement valable pour faire face au endgame qu'il y a en ce moment. Est-ce que l'acte 3 est dispo? Non, pas pour le moment. De toute façon, l'acte 2 n'est pas terminé. Alors, dans le prochain build, normalement, on va avoir la suite de l'acte 2. Mais on a déjà le multijoueur. Et c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal que le multijoueur soit accessible. Alors, juste 2 secondes. Je vais me remettre la vue des objets rares. Parce que, vu que ce perso, il n'est pas bien équipé, j'ai quand même besoin de voir les jaunes. Parce que là j'avais un filtre qui m'empêchait de voir en dessous de la rareté verte. Donc rare hein, du coup. En fait je voulais voir les magiques, donc les jaunes. Ok. Donc est-ce que l'acte 3 est dispo? Non. Par rapport à PoE ou à Diablo 3, il y a largement moins de contenu, forcément. Mais le jeu est toujours en développement. Il est en early access, donc forcément, le jeu va s'étayer au niveau du contenu. Après, c'est quand même intéressant à rejouer parce que tu as pas mal d'archétypes de personnages déjà accessibles. C'est le même principe que dans Titan Quest, dans ce jeu. Arrivé au niveau 10, non, arrivé au niveau 2, tu vas pouvoir choisir une classe. Normal, hein, tu vas commencer Troufion. Et ensuite, à arriver niveau 2, tu vas pouvoir choisir la première classe que tu vas jouer. Et ensuite, à arriver niveau 10, tu vas pouvoir choisir une deuxième spécialité. Donc du coup, même si pour le moment, il n'y a que 4 personnages, il y a en tout 12 archétypes différents. Donc, c'est quand même intéressant quoi, au niveau du contenu. Tu as de quoi refaire le jeu avec pas mal de persos différents, même si c'est toujours de l'alpha. Ouais, il est peu probable que la mise à jour sorte demain, étant donné que, comme je vous l'ai dit, ça c'est le build numéro 20. On l'a attendu quasiment 2 mois et demi. Après, c'était un assez gros build, étant donné que ils ont rajouté tout le multijoueur qui n'était pas présent avant. Donc, du coup, c'était quand même un gros morceau. Et à mon avis, c'est une des raisons pour laquelle ce build a mis tant de temps à sortir. Oui, alors ça, normalement, on est censé lire le scénario. Hein. Vous m'avez compris, hein. Vous m'avez compris, hein. Les scénarios dans la hack and slash, hein, toujours un grand bonheur. Yay! Inventory size! Oh mon dieu! J'ai un sac plus grand! La sauce! La sauce!
Alors, 30 health. Alors, est-ce que 5% de health? Non, ça va être largement moins que 30 health, donc c'est de la merde. Ça fait pas assez de résistance, non. On joue à Grim Dawn. Vous avez le nom du jeu en bas du stream, hein, sur la page, hein, avec le programme de Gaming Live TV2 Powerplay. Oh yeah! Alors je sais pas, j'ai fini une quête, voilà. Ça fait de l'XP. Yay! Joie! Ah oui, ça je l'ai gardé pour reprendre la Serrated Spike. Ok, d'accord, j'ai compris. J'ai compris! Bon, très bien, qu'est-ce que je dois faire? Arngrim dans Burwitch m'habite, d'accord. Kasparov Apprentice, Rotting Soldier, Secure, d'accord, il faut juste que j'avance en fait dans le scénario pour le moment. Donc je vais voir où j'en suis au niveau des waypoints. D'accord, je vois où j'en suis. Je vois où j'en suis. Très bien. On va aller parler au marchand. Est-ce qu'il y a un marchand dans ce truc-là? Absolument pas. Bon, très bien. Allez, ok, on avance. En plus, le fait de rejouer des persos un petit peu moins forts, ça va me permettre de reparler un peu des bases du gameplay. Parce que si vous ne connaissez pas le jeu, bah, vous ne devez pas comprendre quelques trucs qui se passent à l'écran. Un des trucs qu'ils ont rajouté dans ce jeu et qui n'est pas présent dans la plupart des autres actions RPG, c'est le fait d'avoir deux façons de se soigner. Vous voyez cette barre jaune là? En fait, c'est une barre qui va régénérer votre vie lorsque vous n'êtes pas en combat. Si vous ne prenez pas de dégâts pendant suffisamment de temps, eh bien s'il vous manque de la vie, cette barre jaune là que vous voyez va se drainer et vous rendre de la vie au fur et à mesure qu'elle est accessible. Donc ce qui vous permet en fait d'avoir de la vie un petit peu plus en quantité. Parce que ça va se refiler entre les combats, tout simplement. Vous voyez là, j'ai pas pris de dégâts pendant quelques temps, ça me remet ma vie au maximum et en échange j'ai perdu un petit peu de cette barre là. Donc vous pouvez remplir cette barre avec différents objets que vous pouvez trouver dans le monde, hein, sachant que la totalité des boss et des monstres uniques que vous trouvez dans le jeu vont vous permettre de refiller cette barre. Donc c'est encore une nouvelle façon de s'occuper de sa barre de vie, autre que claquer des potions. Parce que comme dans la plupart des hack and slash actuels, les potions ont un cooldown. Voilà, donc ça c'est quelque chose qui est classique, hein, le fait que les potions maintenant on peut plus les spammer comme à l'époque de Diablo 2. Mais c'est toujours intéressant de voir comment les programmeurs ont réussi à contourner le problème des potions infinies qui pouvaient se poser dans Diablo 2. Donc le problème de Diablo 2, c'est que la seule façon qu'il y avait d'équilibrer en fait la durabilité des persos, c'est de faire taper les ennemis suffisamment fort pour vous one-shot. Donc en fait, vu que vous pouviez avoir basiquement de la vie infinie grâce aux potions que vous pouviez spammer, les programmeurs en fait ont été obligés d'équilibrer le jeu de telle façon qu'il faut avoir un pool, une quantité de vie suffisamment importante. Et donc c'est quelque chose qui a été, c'est une des choses en fait qui a eu le plus de succès entre guillemets dans les autres hack and slash après Diablo 2, le fait justement d'obliger les joueurs à jouer plus safe et ne pas se baser trop sur l'utilisation de potions.
Voilà, ça c'est quelque chose d'intéressant. Et je crois que Diablo 2 a été le dernier gros jeu qui vous permettait de spammer les potions. Bon, Path of Exile, dans une certaine mesure, vous permet de spammer les potions, étant donné que les potions n'ont pas de cooldown. Mais Path of Exile, lui, a une autre façon de limiter l'accession aux potions, qui est le fait que les potions ont un certain nombre de charges. Et ensuite, elles se vident, tout simplement. Quand vous tuez des ennemis, eh bien, la flasque va se re-remplir. Voilà. Ça, c'est une des façons de Path of Exile de limiter la guérison des joueurs lors du gameplay. Et c'est toujours quelque chose qui va être un des points principaux des actions RPG en général. Qu'est-ce qu'on va faire pour limiter la survivabilité du joueur? Et c'est vrai que, comme je le dis, la solution la plus souvent retenue, c'est de mettre du cooldown, tout simplement, au niveau des potions. Voilà. C'est quelque chose qui a prouvé son efficacité, qui est pas forcément handicapant si le jeu est bien fait à côté, parce que si on prend des dégâts trop importants tout le temps, le fait d'avoir un cooldown, ça va trop ralentir le jeu, et donc c'est pas forcément une bonne chose. Mais la plupart des lead designers de Hack and Slash ont ça dans la tête et essaient de faire que le jeu ne nécessite pas un spam constant de potions. Et donc pas comme Van Helsing qui lui demandait des potions à l'infini hein, pour s'en sortir en hardcore héroïque hein, la semaine dernière, hein, je le rappelle, hein, ce stream absolument indéfendable que j'ai fait. Avec ses très très gros soucis de survivabilité, et c'est pas foncièrement dû à ma non-connaissance du jeu, à mon avis. Mais voilà, il y a peut-être quelque chose qui fait que le jeu est pas à certains soucis à ce niveau-là. Est-ce que c'est bien le successeur de Titan Quest? Alors, je vais essayer de te répondre de la façon la plus détaillée possible, parce qu'il est vrai que c'est une question qui peut se poser. À raison. Alors, j'ai pas mal retourné la question. J'ai pesé le pour et le contre. Et donc, je peux aujourd'hui te répondre en toute franchise. Peut-être bien. Voilà. Bon, ok. Je vais essayer d'étayer un petit peu plus ma réponse, mais ouais. Globalement, il y a beaucoup de systèmes de jeu de Titan Quest qui ont été réutilisés dans ce jeu. Et c'est normal, j'ai envie de dire, étant donné qu'en fait, le lead designer du jeu a racheté le moteur de Titan Quest. C'est-à-dire que là, basiquement, vous êtes en train de voir Titan Quest modé. C'est difficile à croire, mais c'est le moteur de Titan Quest modifié. Et en fait, le truc, c'est que, en plus du moteur graphique, physique, etc., ils ont aussi repris le système de jeu et les calculs, les routines de programmation qui avaient déjà été développées pour Titan Quest. Donc, basiquement, je peux t'affirmer maintenant que ce jeu-là, c'est un reskin basique de Titan Quest. Ça, il n'y a absolument aucun doute là-dessus. Après, il est absolument évident que c'est un autre jeu. Ça, il n'y a pas de souci. Mais tu retrouveras sans aucun problème le feeling que tu as eu sur Titan Quest. Absolument aucun souci à ce niveau-là. Donc, si tu as aimé Titan Quest, je suis quasiment sûr que tu peux apprécier Grim Dawn à sa juste valeur, parce que c'est fait dans le même moule, quoi, tout simplement. C'est fait dans le même moule. Si vous voyez, c'est juste une version ultra modifiée de Titan Quest que vous avez devant vos yeux. Donc ouais, si vous avez aimé Titan Quest, foncez. Foncez. Globalement, vous allez pas être déçu, hein. Ça, je vous le garantis.
Donc, par contre, c'est quelque chose que je répète à chaque fois que je fais du stream sur Grim Dawn, c'est quelque chose qu'il faut avoir quand même à l'esprit. C'est un jeu qui est développé tout de même relativement lentement. Ce que j'entends par là, c'est que le jeu, il en est à son build 20, qui est sorti donc il y a 3-4 jours, me semble-t-il. Il a plus d'un an et demi déjà le jeu. Donc c'est environ un build par mois, sachant que les premiers builds étaient beaucoup plus rapprochés. Là, ce dernier build, on l'a attendu quasiment 2 mois et demi. Donc si vous décidez d'investir dans ce jeu, donc déjà gardez à l'esprit que c'est un early access, donc c'est un jeu qui est toujours en développement, mais c'est un jeu aussi qui va avoir un rythme de mise à jour beaucoup moins important que ne serait-ce un Path of Exile par exemple, qui lui va avoir des mises à jour quasiment régulières toutes les semaines. Voilà, c'est à garder à l'esprit. Après, l'aspect intéressant là-dedans, c'est que vous n'allez pas tout de suite être perdu. C'est-à-dire que même si vous lâchez le jeu pendant 1, 2 ou 3 mois, vous allez reprendre avec un build, vous allez peut-être avoir loupé un build, mais vous n'allez pas foncièrement être totalement perdu. Et ça, pour le coup, c'est quand même intéressant. Alors que Path of Exile, lui, peut parfois vous perdre à cause du nombre trop important de mises à jour, même si c'est moins le cas maintenant. Je vous avoue que maintenant, le rythme de mise à jour de Path of Exile est beaucoup moins important qu'il l'était en 2013. Donc c'est beaucoup plus facile de suivre l'évolution du jeu. Donc ça c'est très bien. Pour moi, c'est une bonne chose. Parce que Path of Exile, c'est un jeu très, très complexe à la base. Et donc, redevoir apprendre le jeu tous les mois et demi, ça commençait à faire... ça commençait à faire vraiment lourd, quoi. Même moi, au bout d'un moment, j'en avais vraiment marre. Voilà. Donc, à ce niveau-là, vous aurez pas de problème sur ce jeu-là. Grâce au rythme de mise à jour. Et après, voilà. Du coup, il y a d'autres personnes qui peuvent être embêtées par ce rythme de mise à jour. Parce que c'est vrai que maintenant, dans le gaming que l'on connaît aujourd'hui, on est plus dans l'instant au niveau des mises à jour. On attend, on a très peu de patience en fait dans les jeux vidéo. Voilà, c'est quelque chose qui est connu et reconnu. Hein, je veux dire, vous pouvez absolument pas dire le contraire parce que c'est tout le temps pareil. On est maintenant dans une époque où on va demander des patchs le plus vite possible, toujours plus de contenu, toujours un... enfin à chaque fois. Ça c'est clair. Et c'est vrai que si vous attendez ça de Grim Dawn, vous allez être déçu, très clairement. Ça je vous le dis de but en blanc. Il faut que vous soyez au courant de ça. Voilà. Ah, je vois que ça part de Divinity, hein, Original Sin. Quel jeu de hype hein, quand même en ce moment, hein, faut avouer. C'est un peu le jeu de la hype. C'est bizarre d'ailleurs, hein, parce que c'est quand même un gameplay extrêmement old school, hein, les RPG en tour par tour vu de dessus, enfin vu de trois quarts. Donc c'est vraiment bien. Je trouve ça vraiment vraiment bien que Divinity Original Sin ait un si bon retour des joueurs, parce que je pensais pas que que les gens soient encore capables d'apprécier ce genre de jeu à leur juste valeur. Donc ouais, je suis vraiment content qu'ils aient réussi à faire quelque chose de bien avec Divinity Original Sin. Ouais. Alors, je sais pas si tu parles de ce jeu, Spnik, mais tu dis, j'ai pas l'impression que le niveau des ennemis s'adapte au niveau du joueur. Alors, il y a deux choses, en fait, dans ce jeu-là.
Tu as un scaling automatique des monstres, c'est-à-dire que quand tu vas prendre un niveau, les monstres vont augmenter de niveau avec toi, mais tu as aussi un scaling maximum. C'est-à-dire que par zone, les monstres ne vont pas pouvoir dépasser un certain level. Même si tu es au niveau maximum, si tu vas dans la première zone du jeu, les ennemis seront niveau 12 ou 13, parce qu'ils ne pourront pas monter plus haut. Par contre, si tu te balades au niveau 1 dans la première zone du jeu, les ennemis ne seront évidemment pas niveau 13, ils seront niveau 1. Voilà. Donc le scaling est automatique mais limité. Sachant que y a une très très grosse partie du jeu actuel de Grim Dawn qui est scalée jusqu'au niveau maximum. Donc niveau maximum pour le moment dans le jeu, c'est 35. Je crois que le maximum est fixé à 50 pour le moment. Et une fois que vous arrivez niveau 35, vous avez bien les trois quarts du jeu qui est niveau 35. Donc vous avez de quoi vous balader de façon assez sympathique dans pas mal d'endroits. Hein. Et vous aurez du challenge et des possibilités de dropper des items corrects un peu partout dans la map. Il n'y a guère que peut-être la moitié de l'acte 1 qui va vous offrir des zones ouais, qui vont scaler au niveau 13 ou au niveau 20. Mais par exemple, toute la fin de l'acte 1. Tout ce qui est le rush vers le boss, c'est scalé jusqu'au niveau 35. Hein. Donc si vous voulez passer votre vie à tuer le boss de l'acte 1 sans jamais accéder à l'acte 2, vous allez passer niveau 35. Hein. Ça, il n'y a pas de souci. Il n'y a absolument aucun doute là-dessus. Après, je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure façon d'apprécier le jeu, mais vous pouvez. Voilà. Autre chose que vous pouvez vous demander par rapport à Titan Quest, les ennemis drop leur équipement. Voilà. Ce que ça veut dire, c'est que si un ennemi est équipé d'un certain type d'arme, à sa mort, il aura une chance de dropper cette arme qu'il porte. Voilà. Ça, c'est quelque chose d'intéressant aussi. Parce que, en fait, ça récompense certains combats éventuellement plus difficiles. Vous voyez? Si vous combattez un ennemi qui a eu le malheur de spawner avec une arme forte, et ben une fois que vous l'aurez tué, ben, vous aurez une chance de dropper cette arme puissante. Vous voyez le principe? C'est quelque chose moi que je trouve absolument génial dans les hack and slash, la possibilité de s'équiper en fonction de ce que portent les ennemis. C'est vraiment bien comme principe, je trouve. C'est vraiment bien. Donc j'ai vraiment apprécié qu'ils reprennent ce truc-là. C'est quelque chose qui n'est pas présent dans Diablo 2, par exemple. Diablo 2, c'est un jeu qui... vous n'allez pas avoir de drop fonction de l'ennemi que vous allez tuer. Alors que Titan Quest, à l'époque, l'avait. Ça, vous allez... Titan Quest, c'est lui qui avait inventé... C'est un système de drop what you see. Vous voyez? Ce que vous voyez, vous allez le dropper. Et par exemple, si on veut faire des parallèles avec d'autres jeux... prenez Borderlands 1, par exemple. Donc Borderlands 1 qui est considéré par quelques personnes, dont moi, comme un hack and slash en vue à la première personne. Dans Borderlands 1, les ennemis drop le flingue qu'ils ont équipé. Voilà. Et je précise bien Borderlands 1, parce que dans Borderlands 2, ce n'est plus le cas, malheureusement. C'est un peu triste, mais c'est quelque chose qu'ils ont changé dans Borderlands 2. Alors je ne sais pas pourquoi, je ne saurais pas vous dire. Peut-être parce que c'est moins difficile à gérer au niveau du système de jeu, c'est très possible même. Mais c'est quelque chose que j'ai regretté malheureusement dans Borderlands 2, parce que c'était un principe, à mon avis, qui était intéressant, qui pouvait être intéressant. Enfin. Donc voilà, tout ça pour vous dire que effectivement, on retrouve les bases qui ont été décrites à l'époque, hein, en 2004 ou 2005, par Titan Quest. Parce que c'est vrai que Titan Quest, à l'époque, c'était démarqué en fait de la concurrence avec notamment ce système de drop what you see, justement. Voilà. Ah là là, c'est en train de parler des Final Fantasy, etc. Oh mon dieu. Mon dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai Unleash the Kraken, hein, sur ce chat, visiblement. Oh là 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 là.
J'en suis tellement navré. Donc Shadow Strike. Je prends Shadow Strike. Je prends totalement. Et voilà, nouvelle capacité active. Nice! Visiblement, on a droppé un mallette. Mais mallette, je crois que c'est une arme à deux mains. Ah non, c'est à une main. Putain, j'étais parti pour faire un personnage uniquement à deux mains. Ah la tristesse. Ah la tristitude. Mon dieu, la tristitude. C'est marrant, là vous avez une musique extrêmement bonne hein, de ce jeu, mais je crois que c'est une des seules musiques que je supporte à peu près. Je sais pas, ça fait bien épique comme il faut, moi j'aime bien. J'aime carrément bien ce track là. Mais c'est un jeu qui a une OST qui est vraiment en demi-teinte quoi. C'est vraiment en dents de scie. Il y a du très bon qui côtoie du très très mauvais. Donc c'est un peu dommage. Peut-être que ça, ce sera amélioré par la suite quand il y aura l'acte 3 et du coup peut-être de nouvelles orchestrations, etc. Mais globalement, par exemple, les caves de l'acte 2, c'est pas des thèmes que j'aime bien. C'est un peu dommage. Alors que celui-là, putain, il pète vraiment quoi. Ouais, c'est triste. Vicious Venom. Ok. Oh my god, level up! On est tellement inarrêtable quoi. Inarrêtable les gars. On va rentrer en ville juste voir. Je veux voir les marchands et je veux aussi rendre quelques quêtes que j'ai terminées. Parce qu'il y en a une en fait, il y a pas mal de quêtes à tiroir dans ce jeu. Donc du coup il faut revenir régulièrement en ville pour déclencher en fait la prochaine étape de la quête. Donc là visiblement c'est bon. Ça c'est la prochaine étape. C'est ça que je devais prendre. Faut parler à Arngrim. Arngrim, c'est lequel? Ah oui, elle veut du... Elle veut des vêtements. En fait, elle veut du tissu pour faire des couvertures. Parce que c'est l'endroit où il y a les petits enfants perdus du village. Et donc on a cette gentille madame qui s'occupe d'eux. Ah, c'est beau. C'est beau. Je suis tout émouvanté. Les compétences n'ont pas trop l'air diversifiées. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans les hack and slash, il n'y a pas tant de hack and slash que ça qui vont mettre dans la surenchère de capacité. C'est-à-dire que si vous êtes habitué à du World of Warcraft et avoir 25 barres de skill pour avoir tous vos sorts actifs, c'est vrai que jouer un hack and slash vous allez trouver ça limitant. Mais le truc c'est que dans les hack and slash, vous allez avoir beaucoup plus de facilité de booster le potentiel de certaines attaques. Ce que j'entends par là, c'est que vous allez choisir deux voire trois attaques principales et vous allez essayer de scaler ces attaques là. C'est typiquement comme se joue un hack and slash. Hein. Ça a toujours été le cas. Il n'y a guère que Marvel Heroes qui a essayé de mettre un petit coup de pied dans la fourmilière hein, et d'avoir certains personnages qui vont euh, qui
vont switcher entre 2 ou 3, voire 3 barres de skill et donc genre 12 skills actifs. La plupart des persos naviguent entre 6 et 8. Mais celui-là, voilà, un jeu comme Grim Dawn, c'est plus un jeu qui va se baser sur l'utilisation régulière de capacités puissantes à cooldown limité, mais que vous allez pouvoir améliorer un petit peu plus en avant que les capacités que vous pourrez avoir par exemple dans un MMORPG. Voilà. C'est d'ailleurs à cause de ça que c'est une des raisons principales pour lesquelles le hack and slash a mauvaise réputation, parce que c'est vrai que visuellement c'est souvent un type de jeu où on va spammer 1, 2, voire 3 capacités maximum, parce que typiquement dans un hack and slash on a beaucoup moins de possibilités de booster à fond plus que ce nombre de capacités là, donc on est de par le fait auto-limité par le jeu. Parce que c'est comme ça que le jeu va être le plus efficacement joué. Donc c'est vrai que c'est un peu. C'est vrai qu'on peut le voir aussi en limitation, ce genre de truc. C'est toujours pareil, est-ce que vous voulez voir le verre à moitié vide ou à moitié plein? Si vous voulez voir à moitié vide, c'est on va spammer 2 capacités. Si vous voulez voir à moitié plein, c'est ces capacités-là. On va essayer de les améliorer au maximum pour qu'elles soient valables. Voilà, c'est deux visions différentes qui sont toutes les deux valables. Je suis pas là pour vous dire il y a une vision qui est mieux que l'autre. Je vous dis juste que en y réfléchissant d'une autre façon, ça colle en tout cas à la vision du jeu qu'avait le développeur. Voilà. L'autre façon de voir ça, c'est que si tu te spécialises pas dans des capacités, tu vas avoir plein de capacités mais très moyennes. Donc au final, tu vas probablement pas exploiter la puissance de ton personnage à son maximum. Et ça, c'est un peu dommage dans un hack and slash. Voilà. Donc c'est une autre façon de voir. Mais c'est vrai que depuis les bases qui ont été mises en place par Diablo 1 et par Diablo 2, basiquement, c'est vrai que les hack and slash sont plutôt des genres de jeux où on va plutôt essayer d'optimiser une capacité au maximum plutôt que de s'étaler dans l'arbre de compétences. Voilà. Disons que c'est deux façons de voir les choses, tout simplement. Donc voilà, bah, je sais pas ce que vous en pensez, hein, parce que après je veux absolument pas vous imposer ma façon de jouer. Moi je vous dis ce que j'en pense du haut de ma petite expérience de joueur de hack and slash, quoi. Donc. Mais après, je vais pas vous dire qu'il y a une vision qui est mieux que l'autre. Et je vais absolument pas vous jeter la pierre si vous trouvez que les skills sont pas diversifiés. Parce que objectivement, il est très. Enfin, il est clair dans les hack and slash que c'est pas des jeux faits pour, et que du coup, vous avez raison, les skills ne sont pas diversifiés, très clairement. Oh, GG la zone ici. Qui m'empêche de rentrer dans la ville en fait. Du coup j'ai fait le tour pour rien. Ah oui, autre chose. Toujours pour faire des parallèles avec Titan Quest. Dans Titan Quest, vous aviez la map qui était toujours la même. C'est-à-dire qu'il y avait une seule map dans le jeu. Et vous faisiez toujours cette map. Quel que soit le perso que vous alliez jouer, vous alliez toujours faire les mêmes quêtes, trouver les mêmes monstres aux mêmes endroits, etc. C'est la même chose ici. Voilà, donc que vous le sachiez, la map sur Grim Dawn, c'est toujours la même. Mais ils ont réussi à contourner entre guillemets
ce problème en faisant que la map va vous obliger à prendre différents chemins d'une partie à l'autre. Ils ont réussi à faire ça grâce au fait que vous avez des rochers qui peuvent aléatoirement, au moment où vous allez lancer votre partie, il y a des rochers qui vont se placer aléatoirement à divers endroits, ce qui vont vous empêcher en fait de faire le même chemin à chaque fois. Donc basiquement, même si vous avez la même map affichée à l'écran, vous allez explorer différentes zones. Donc c'est très limité, hein. On est absolument d'accord là-dessus. Je vais pas essayer de vous bullshit à base de « Mais si, regarde, ce rocher-là, il fait que ça fait une toute nouvelle map !» Non, c'est pas vrai. Ça reste la putain de même map. Mais, au moins, vous n'êtes pas sur le même rail que d'habitude. Voilà, c'est juste ça que je voulais dire. Alors que Titan Quest, par exemple, vous êtes là, pour le coup, sur un rail. Vous pouvez suivre le même rail du début à la fin. Sacred 2, par exemple, qui est un autre hack and slash, pareil, vous avez qu'une seule map qui est la même, quelle que soit la partie, quel que soit le personnage. C'est ce qui est vraiment dommage. Seule chose qui change dans Sacred 2, si vous voulez tout savoir, c'est le point de démarrage qui change en fonction du personnage que vous avez choisi et surtout de l'alignement que vous avez choisi, soit bon, soit mauvais. Voilà. C'est les seules choses qui changent dans Sacred 2. Mais sinon, la map en elle-même, vous allez toujours faire le même chemin à partir d'un certain moment dans le jeu. Voilà. C'est un peu triste, c'est vrai. Après, toujours pareil. J'essaie de voir ça toujours des deux côtés. Donc à la fois, il y a des trucs pas bien, mais il peut y avoir des trucs bien avec ce truc-là. Donc qu'est-ce qu'il y a de bien dans le fait que la map, c'est toujours la même ? Eh bien, lorsque vous allez farmer différentes zones, eh bien, vous allez pouvoir optimiser votre chemin. Ce que j'entends par là, c'est que vous allez pouvoir, au fur et à mesure des parties, vous faire une route qui va être optimisée pour vos besoins, et donc que vous pourrez suivre à chaque fois. Ce qui va, au final, améliorer et optimiser votre temps passé à farmer. Et ça, c'est extrêmement important, étant donné que, bien sûr, la finalité des hack and slash, c'est de trouver toujours du stuff de meilleure qualité pour votre personnage. Donc forcément, au bout d'un moment, vous allez être quasiment obligé à chaque fois, quel que soit le jeu, de farmer, de passer par des moments où vous allez farmer un boss, par exemple, vous allez le tuer en boucle pour avoir de l'équipement, etc. Et donc, le fait d'avoir toujours la même map vous permet de trouver des chemins optimisés pour avoir un meilleur rendement de farming. Voilà, tout simplement. Donc voilà, toujours essayer de prendre du recul sur internet. C'est quelque chose que j'essaie toujours de faire. Parce que c'est vrai que quand on essaie toujours de tout voir en bien ou tout voir en mal, ça permet pas d'avoir des visions claires et globales du jeu. Donc j'essaie toujours de me situer des deux côtés de la barrière. Et c'est vrai que ce truc des maps qui sont non aléatoires, c'est quelque chose qui est présent depuis pas mal de temps. Donc c'est quelque chose que j'ai eu l'occasion aussi depuis pas mal de temps de remettre en question. Voilà, tout simplement. Putain, j'ai vraiment vraiment pas de bol sur les drops, hein. Vous avez vu, j'ai pas droppé un truc bien pour mon perso. Notamment les armes, j'ai pas été foutu de dropper une arme verte qui pourrait être un upgrade potentiel, c'est vraiment dommage. Allez, je vais lancer la dernière pub, on se retrouve dans 3 minutes, après ce magnifique logo Gaming Live, hein, évidemment. Allez, bisous.
Ok, donc nous voici de retour, cette dernière partie de Grim Dawn. Donc on va continuer, hein. Continuer à avancer avec ce perso. Et donc je voyais que ça a parlé du crowdfunding, etc. Sur le chat. Et bah, le crowdfunding, ouais, c'est quelque chose que j'ai, qui me tient à cœur, mais que j'ai malheureusement plus ou moins laissé tomber. À cause de très mauvaises expériences, malheureusement. Ce qui est vraiment très triste, hein, pour le coup. Enfin. Je ne vais pas en parler, hein, j'ai déjà suffisamment parlé sur ce sujet à l'infini sur mon Twitch. Je crois que j'ai même un highlight qui est dédié à ce truc-là, sur le crowdfunding. Donc je vais vous épargner ça. Alors. Putain, j'étais censé trouver un PNJ dans ses profondeurs, mais malheureusement, je l'ai loupé. Donc je sais pas si j'ai si j'ai oublié d'aller dans une zone. Non, je devrais trouver l'apprentice de Kasparov. Redescendons. Redescendons. Ouais, voilà, celui-là, Papy Gandalf. Notre cher Lord British. Notre très cher Lord British. Alors, il y a autre chose qui a été dit sur le chat. Je lisais, je remontais le chat pendant la pub. Comme quoi, c'est vrai que c'est vraiment une saison faste en ce moment sur les hack and slash. J'ai même commencé le stream là-dessus, sur cette réflexion. C'est vrai que il y a beaucoup de choses en ce moment qui se passent dans le monde du hack and slash, et ça fait vraiment plaisir. Ça fait vraiment plaisir pour le coup. Parce que c'est un jeu qui est tombé totalement dans les oubliettes, hein, entre genre 2006 et 2011. Il n'y a absolument rien eu de valable en hack and slash, à part peut-être Sacred 2 qui arrivait désespérément à faire son trou. Mais après, tout ce qui est dungeon siège, etc., ça n'a jamais vraiment décollé. Et là, c'est vrai que depuis la ressortie de Path of Exile, enfin, depuis la bêta de Path of Exile, depuis l'annonce de Diablo 3, Marvel Heroes dans une moindre mesure, parce que bon, c'est vrai que c'est quand même un jeu qui a beaucoup moins de notoriété que les deux autres sus mentionnés. Mais c'est vraiment bien, je trouve. C'est vraiment bien que le genre revienne un petit peu sur le devant de la scène, parce que je vais, allez, je vais dire quelque chose qui va peut-être pas vous choquer, mais vous dire, ah ouais, ça parle, ça trash talk un peu pour rien, quoi. Mais je commençais un petit peu à en avoir marre des jeux Kleenex, quoi. Des jeux qui se finissent une fois et puis qu'ensuite on range sur l'étagère et qu'on retouche plus jamais. Parce que typiquement, les hack and slash, c'est un jeu qu'on va rejouer longtemps et en quantité. C'est-à-dire qu'on va y passer beaucoup d'heures de jeu, si, enfin, toujours pareil, si on accroche au genre, bien sûr. Mais si, comme moi, vous accrochez au hack and slash, chaque sortie de hack and slash, c'est potentiellement des centaines d'heures de jeu qui peuvent s'ouvrir à vous. Et ça c'est absolument génial. Et c'est vrai que dans ce hiatus dans les années que je mentionnais là, entre 2005 et 2010, c'est vrai que je trouvais que sortie des MMORPG, les jeux solo étaient plus autant portés sur la durée de vie qu'avant. Alors, je citerai quand même les Monster Hunter
qui ont réussi à garder une composante single player qui vous colle 400 heures dans la vue à chaque fois. Hein. Et ça depuis 2004, me semble-t-il, sur PS2. Mais ensuite, il y a énormément, énormément de jeux single player qui n'ont pas eu la vocation à être plus que des jeux Kleenex. Et ça, c'est quelque chose que j'ai regretté pendant un moment. Et donc, voir maintenant des jeux solo, enfin qui sont jouables solo, et donc aussi jouables multi, hein, du coup, de par le fait, proposer des durées de vie extrêmement correctes, et donc maintenant encore mieux, le retour des hack and slash sur le devant de la scène, moi personnellement, je ne peux qu'adhérer. Je ne peux qu'adhérer. Bah oui, Stalar, c'est toujours les mêmes capacités, étant donné que j'ai pas, comme j'expliquais avant, j'ai décidé de pas développer plus que ça les autres capacités. Tout simplement. Puis après, tu veux, les combattants à deux mains, les soldats, tu sais, entre taper un monstre avec une arme et taper un monstre avec une arme, tu sais, visuellement, c'est un peu dur, hein. Là, ça se voit pas, mais je suis en train d'utiliser 4 attaques différentes. Hein? Quand même. Excusez-moi. Même 5, hein, techniquement. J'ai ça qui est un dash, ça qui est un téléporte. Ça, c'est une. C'est un truc de zone autour, c'est une sorte de cleave. Ça aussi, c'est un autre type de cleave qui va un petit peu plus loin, qui tape moins d'ennemis, je crois. Donc, voilà, enfin, je veux dire, c'est le combattant corps à corps. Après, tu sais, on est que level 17, hein. Level 17, t'as pas encore accès à toutes les capacités possibles du personnage. Quand je jouais le Nightblade, on voyait bien que le gameplay pour le coup était un petit peu plus nerveux, mais le Nightblade, lui au moins, il avait développé son arbre de compétences jusqu'au bout. Donc forcément, t'avais accès à plus de possibilités. Ah oui, bien sûr, il y a des charges, tu peux voir le téléporte. Voilà. Tu as aussi le téléporte. Est à la charge, voilà. Et c'est vrai qu'après, le problème c'est que le cleave est tellement puissant sur ce perso que t'as pas forcément envie d'utiliser la charge, etc. Surtout qu'elle marche au corps à corps en fait. T'as pas besoin de faire une charge pour faire des dégâts. Alors une fois que t'es déjà au corps à corps, t'as plus besoin de faire des skills de déplacement. Il suffit juste de taper le monstre avec la skill et ça va quand même faire des dégâts additionnés supplémentaires. Non, non, oui, mais il y a effectivement, bien sûr qu'il y a d'autres capacités. C'est juste que moi, effectivement, j'ai pas forcément les réflexes avec ce perso d'aller foncer dans la mêlée comme ça via le téléporte en fait. C'est vrai que je joue plus en mode j'avance vers le monstre, je cleave et je cleave ce qu'il y a devant. Voilà, c'est vrai. Tu as parfaitement raison quand tu as souligné ce point. Le jeu c'est Grim Dawn, nouveau jeu des développeurs de Titan Quest. Ah mon dieu, je n'ai plus de potions! Ah voilà qui est embêtant! Mais cassons-nous. Cassons-nous. Allez, papa. Popoa. Ici. T'as 175 la popo. Eh ben, tu te fais pas chier, mon gars. What? Wait. Non, il était blanc, ça. Alors, Defensive Ability, Pierce Resistance, Poison, Assist Resist et moins de défense. Donc non, ça m'intéresse pas. 10 d'armor. Mon dieu. Sur une mort, tu perds quoi? Excellente question. Bah si tu joues en hardcore, tu perds ton perso.
Mais bon, ça, je suis pas sûr que ce soit ta question. Aucune idée. Oui, tu dois perdre des thunes, je pense. Tu dois perdre des thunes en mode softcore. C'est de la merde, j'ai pas de bouclier de toute façon. 8% physical damage, 5% elemental resist, 5% slow resist. Ah, c'est pas mal. Ça, c'est un toggle. Ça, c'est un toggle. Offensive ability, defensive ability, armor. Ah ouais, c'est pas terrible, terrible quand même, hein. C'est quand même pas terrible, terrible. Ah, mais ils ont changé ça! Force Wave, avant, il fallait un shield pour l'utiliser. Si, si, je suis déjà mort, mais j'avoue que je me rappelle plus ce que j'ai eu comme malus. De toute façon, on est encore qu'en mode normal, hein. Y a pas encore la difficulté supérieure. Donc je sais pas ce qu'on perd physiquement. J'avoue que je me rappelle plus. Si on crève face à un boss que tu reviens, non, il garde les points de vie, les points de vie sont constants le temps que tu restes dans ta partie. Mais donc ouais, ce truc-là, avant c'était, on pouvait pas l'utiliser avec des armes à deux mains, on pouvait l'utiliser qu'avec un bouclier. Donc ça peut être intéressant de monter ça, Force Wave. Wave of Energy that stuns damage and foe. Bah du coup, je l'essaierai bien par rapport à ça en fait, parce que j'ai déjà Lethal Gambit qui fait la même chose. Ah mais il y a un cooldown? Ouais, il y a un cooldown de 3 secondes. D'accord. D'accord. Ouais, parce que dans ces mises à jour, en fait, ils ont rajouté ces trucs-là aussi. Avant, il n'y avait que des arbres directs. Donc, voilà le principe, hein, je vous refais les bases. Lorsque vous prenez un perso, vous avez la mastery qui est en bas, là. Donc, cette barre. Donc, quand vous mettez des points là-dedans, ça fait monter la barre. Et du coup, ça vous débloque au fur et à mesure les capacités. Et donc, dans cette nouvelle mise à jour, avant, on n'avait que des capacités en ligne droite. Et maintenant, ils ont rajouté des modifieurs. Ils ont rajouté des modificateurs, en fait, de ces capacités. Donc là, visiblement, clean sweep, on peut avoir... D'accord, on peut avoir 5 secondes de recharge sur le skill, mais, en contrepartie, il fait 250% de dommages, 50% de bleeding damage, 50% de knockdown duration. Hein, j'ai bien envie de l'essayer, du coup. Donc ça, on fera un build spécial pour ça, s'il faut. Ça m'intéresse, ouais. Et là, il y a du bleed, visiblement. J'ai bien envie de tester ça. Combien il faut de points? Il faut que je monte de 15 à 32, donc ça va être un petit peu trop loin pour le moment. Ok. Ok. J'essaie de voir s'il n'y a pas des passifs qui augmentent les dommages. Déjà, on va mettre ce point là. Ok. Et donc ça, si je le monte, ça fait quoi? Ça baisse le cooldown. Ça augmente les dommages. Ah ouais, d'accord, c'est un proc en fait, que quand je tape un ennemi, ça peut se lancer. Ah ouais, mais une fois toutes les 40 secondes, ça dure 10 secondes. Ouais, le bonus est quand même vachement situationnel, quoi. Là, ça fait beaucoup de points utilisés pour un moment. Pour pas beaucoup de. Comment dire? Enfin, il y a beaucoup de moments dans le jeu où j'aurai pas le bonus. Donc, du coup, c'est quand même des points pas gaspillés, mais qui sont, à mon avis, moins optimisés que d'autres. Donc, ça demande un shield, donc ça ira pas. Ça aussi, c'est pour le shield, donc c'est de la merde. Et donc si j'augmente ça, ça augmente les dommages weapon. Ok. Non, je pense pas qu'elle soit rentable cette compétence. Hein. Je pense qu'on est d'accord là-dessus. Par contre ça c'est intéressant de mettre des points dedans. Parce que vous voyez en bas, vous avez 28 physical damage et 42 physical damage.
Il s'avère que ça, c'est mon skill de base, c'est mon attaque principale. Et donc, si je mets des points là-dedans, chaque coup que je vais faire va gagner quand même assez en puissance, je trouve. Ça, à mon avis, c'est des points optimisés. Donc, de toute façon, on peut respecter ces points comme on veut. Je vous montrerai après. Je vous montrerai tout de suite, d'ailleurs. Ouais, ça fait très longtemps qu'il est en Early Access, déjà. Mais les trois premières classes, basiquement, sont déjà correctes. Hein. Je veux dire, elles ont quasiment leur truc de skill final. Donc, vraiment, c'est à ce niveau-là, il n'y a pas trop de soucis. Voyez donc, regardez, grâce à ce personnage-là, en fait, on peut reprendre tous les points qu'on a mis dans nos capacités. Par contre, on peut pas reprendre les points de mastery, c'est pas possible. Donc, vous pouvez reprendre uniquement, voilà, les 10 points que j'ai mis là-dedans. Si je peux, je peux les reprendre en payant une petite quantité de thunes et je peux les remettre autre part. Voilà. Donc, ouais, bon, on va tester ça, hein, ma foi. On est toujours en mode découverte, hein. C'est un perso que j'avais jamais fait avant. Le Blade Master à deux mains. Donc pourquoi pas, hein, j'ai envie de dire. Pourquoi pas. Puis du coup, ça va bien parce que, vous voyez, j'ai foutu un. Ce qui est intéressant, c'est que grâce à ça, j'ai foutu du cooldown à cette capacité. Donc c'est plus une capacité que je vais pouvoir spammer. Et du coup, je vais spammer plus souvent celle-là. Vous voyez la synergie un peu? Donc je pense que c'est intéressant. Je pense que c'est intéressant d'avoir mis des points là-dedans. Ça peut donner quelque chose de pas mal en jeu. On verra bien de toute façon à l'utilisation. Ouais, ça va encore. C'est lisible, je trouve, les arbres de compétences. Vous voyez? Le truc, c'est que il faut vous dire que quand vous allez commencer le jeu, vous allez mettre un point là-dedans. Et vous allez avoir que 3 choix au final. Vous allez avoir que 3 choix au début. Donc vous aurez largement le temps de vous poser la question de qu'est-ce que je vais mettre, qu'est-ce que je vais lire ce truc-là, ça a l'air pas mal. Voilà, donc il y a vraiment moyen, à mon avis, d'apprendre le jeu au fur et à mesure. Parce que plus vous allez mettre de points, et plus effectivement vous allez avoir d'options qui vont s'ouvrir. Mais c'est tout le principe d'un arbre. Ça commence tout gentiment, et puis après, il y a tout un tas de bifurcations. Mais globalement, ça va. Hein. Si vous avez joué à Path of Exile, cet arbre de compétences-là, il vous fait pas peur. Hein. Ça, c'est sûr. Ça, je peux vous le garantir. Hein. Ah là là. What? Je fais déjà des baffes à 540. Hein. Je dis ça, je dis rien. Ok. Ok. Donc si je me s'en rappelle bien, il y a peut-être une quête à faire vers la droite là-bas. En fait, on doit accéder au dock. On doit accéder au port en fait de la ville. Il me semble qu'on l'accède en restant sur la droite. Ou alors non, ça devait être ici. Donc non. C'est pas par là, malheureusement. Dommage. Ah, il y a une quête là. L'apprenti. Alors, on va aller devoir chercher l'apprenti. Someone has been here recently. Ah mon dieu, suspense! Le suspense! I can't do that yet. Eh ben le voilà! Le voilà, le petit garçon qui est l'apprenti en fait d'un des mages de la ville. Et c'est lui qui va nous permettre de récupérer les reliques qu'on a posées sur nos objets. Ça c'est un truc que j'ai pas expliqué, pardon. Qui est en fait, tous les trucs que je ramasse là, les trucs orange en fait, ce sont des objets que vous pouvez socket dans vos objets.
Et vous êtes obligé de faire cette quête d'abord pour pouvoir les retrouver ensuite. Pouvoir retrouver un... récupérer le... soit les objets, soit ce que vous avez mis dedans. Vous parlez à ce gars-là. Vous lui filez une arme avec un socket à l'intérieur. Enfin, avec un truc enchâssé dedans. Et vous lui dites, voilà, je veux que tu me files soit la gemme, soit le... soit le l'arme. Ou l'armure. Voilà, donc quelque chose de typique hein, maintenant dans les depuis Diablo 2 et depuis l'invention des enfin depuis Diablo 1 je veux dire depuis l'arrivée des items socket etc c'est un classique hein. Un classique dans les hack and slash même dans Diablo 2 hein, vous aviez moyen de désocket des objets par contre ça qu'est-ce que ça faisait dans Diablo 2 est-ce que ça détruisait l'objet ou est-ce que ça détruisait les runes. Je crois que ça détruisait les runes. Ça vous rendait l'objet, mais ça vous rendait pas les ce que vous aviez mis dedans. Vous aviez pas le choix en fait. Vous pouviez pas récupérer des runes pour les mettre autre part. Ouais, je crois que c'était ça. Vous pouviez récupérer une base si elle était bonne. Par contre, vous perdiez le socket obligatoirement. C'était avec rune L et parchemin de portail de ville, un truc comme ça. Me semble-t-il. Bon bah on approche. Ouh là 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 là, le peloton d'exécution les gars. Ce peloton d'exécution qu'il y avait. Ok, très bien. Donc lui, on va s'en occuper en hit and run. Voilà. On va attendre que le TP soit up. Voilà, on s'occupe des trucs à distance grâce aux charges et aux téléportes. Et ensuite, on s'occupera des persos au corps à corps. Voilà, essayons de jouer un peu correctement, hein, mon cher Canon. Par contre, zéro loot. Hein. Zéro loot. Putain de merde. Là, j'avoue, c'est sec. Hein. C'est vraiment sec niveau loot. Un Cellar d'or, non ça m'intéresse pas. Quelle heure est-il? Oh mon dieu il est 53. Bon il faut que je me dépêche d'arriver à un point de sauvegarde. Là je peux pas passer malheureusement donc il faut sûrement que je passe par en haut à droite. Ah non mais c'est bon, le manoir est là. Ok, on est arrivé au manoir donc on va pouvoir arrêter la partie ici. Donc malheureusement on n'aura pas fini l'acte 1 avec ce perso. On le finira, je sais pas si je fais un stream là-dessus sur la semaine prochaine. Je suis pas encore certain de ce que je vais streamer. Est-ce que ça vous intéresserait, les gens, de voir du farming sur Borderlands 1? Parce que je me suis repris d'un amour inconsidéré pour Borderlands 1 très récemment. Et grâce au cloud, j'ai pu récupérer la totalité de mes persos que j'avais avant. Donc j'ai des persos super bien optimisés. Et donc je peux vous montrer comment faire du farming optimisé sur Borderlands 1. Ce qui changera un petit peu du coup des hack and slash que je vous montre depuis déjà pas mal de temps. Donc est-ce que ça vous intéresserait ou est-ce que vous voulez continuer sur du Van Helsing, du Diablo 2, du Grimdawn, etc. Moi les deux me vont, hein, je vous avoue. Les deux me vont. Ça vous plairait de voir un petit peu de Borderlands? Peut-être quitte à faire un stream dessus et de passer à autre chose après, mais ça peut être sympa, ouais, je pense. Ça peut être sympa. Bah allez, vendu. Allez, la semaine prochaine, engagement moral, Borderlands 1 sur Gaming Live. Allez, je vous montrerai un petit peu comment casser le jeu dans Borderlands, parce que s'il y a bien un jeu où j'ai appris à casser le jeu, putain c'est bien Borderlands. Bah le truc c'est que il y a pas mal de gens qui considèrent que Borderlands est un hack and slash en fait, parce que ça prend tellement des règles qui ont été étiquetées pour les hack and slash que au final
c'est il y a beaucoup de gens qui prennent Borderlands pour un hack and slash vu en première personne, quoi. Oh bah tiens, on vient de finir une quête. Donc du coup on va terminer là-dessus. On veut que tu stream du Diablo 2 jusqu'à 10h du matin. Ah, peut-être sur ma chaîne Twitch. Peut-être sur ma chaîne Twitch. Un petit run Diablo 1. Ah, alors aussi! Si! Très bon choix, mon cher Drork. Grâce à un des viewers, Dark Breeze, que je salue, je fais des bisous. On a trouvé un moyen de faire marcher Diablo 1 en fenêtré, les mecs. Du coup, peut-être que je vais pouvoir streamer du Diablo 1. Alors, je suis pas encore sûr. Je sais pas si la palette de couleurs marchera en stream, mais il est possible que vous ayez des streams de Diablo 1. Et en plus, le cerise sur le râteau, il y a des mods de Diablo 1. Oui. Des mods de Diablo 1, ça existe, les gars. Alors, j'ai pas encore testé, mais c'est quelque chose qui risque d'arriver de façon arrivesque, hein, voyez-vous? Voilà, donc tenez-vous prêts, hein. Tenez-vous prêts. Là, on va remonter le temps, mais de façon absolument indéfendable, hein. Attention! Oui, bah oui, voilà, c'est un problème, hein. Des fois, les couleurs ne marchent pas, donc il faut que je teste ça. Mais allez, j'en parlerai peut-être plus longuement la semaine prochaine. Je vais vous laisser là. Donc merci à tous d'avoir participé au chat. C'était extrêmement agréable à suivre. La semaine prochaine, donc du Borderland 1, le seul jeu qui mérite d'avoir Borderland dans son nom, parce que fuck Borderland 2, fuck it to hell, hein, voilà, ça c'est dit. Borderland de trahison, donc on va jouer à un vrai jeu. Et d'ici là, attention, ne jouez pas à Borderland 2. Hein. Je vous préviens, je vous surveille, hein, tous, tous autant que vous êtes. Allez, j'arrête de dire des conneries. Je laisse ma place à Raph pour Megalimonde. Et je vous dis à la prochaine. Allez, des bisous!